Le fil info de la matinale de ce jeudi 21 mars 2024, chers amis, bonjour. Les conseils de ministres se succèdent, des nominations et rien pour le peuple congolais. Les conseils de ministres s'apparentent aujourd'hui à un rendez-vous de mousiki où les gens se partagent le gâteau et rien n'est fait pour le peuple congolais. Hier, le président de la République a réuni ses ministres en conseil des ministres pour des résultats plus que mitigés, sinon décevants. Développement dans la matinale, place à la matinale. Alors, chers amis, bonjour les fidèles de la matinale. Un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 21 mars 2024, moi, Ngwezo Kende, au niveau du Conseil des ministres de la République. Ceux qui nous dirigent, Vaniga Bangowana, tous les jours, ils se retournent là-bas. Mais Mabwa Biake va dire, Pangi, ailleurs, lorsqu'il y a un Conseil des ministres, vous entendez les résultats. Mais nos Conseils des ministres, à nous, là, je ne sais même pas qui place pas Kwena Vukanaka, c'est une récréation avec ça là. Vous savez, les gens qui sont à la maternelle, lorsque c'est la récréation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais voilà, le résultat, il est là. En tout cas, vous voyez bien que l'immobilisme qui règne au sommet de l'État, c'est ce que nous avons aujourd'hui au Congo-Brazzaville. En exemple, regardez les résultats, comment le pays est conduit. Et lorsque même il y a conseil des ministres, sinon il n'y a que des projets de loi, projets de loi, projets de loi, projets de loi. Après projet de loi, nomination, nomination pour se partager le gâteau, tout ça. Et avec un fond de tribalisme aujourd'hui, on va revenir sur le tribalisme au Congo-Brazzaville. Il faudrait qu'on en parle. Il faut dire les choses clairement pour que Bantouba Zaba, pour que Bantouba Talvetia, qui Kimake Flomo, c'est que danger la boire la béto. Lorsqu'on fait des choses sur des bases tribales, Barnios, tous les dirigeants au Congo, et aujourd'hui nous allons évoquer ce problème. Exercice simple, peut-être que ça la boubiaï. On a un peu le temps pour les Mabanga, mais on va d'abord partager la vidéo. Bet kabou la vidéo, bet kouen pesa, bet pesa. Et tu tiens dans ma vidéo, on va pas gaber tout. On va partager. On va partir. Voilà. Ok. Tokabola. Prenez 2 minutes, ça coûte rien. Ça fait au contraire du bien. Vous invitez Vaniga Moussousou. Bayak pour partager Nabino. Ma plaisir et à l'inu. Oui. Il y a la matinale. Il y a la matinale. Hein? La matinale, Vaniga, bon, moi j'ai fait ma part, Vaniga est commis par Labino, c'est à vous de faire votre part. Bon, j'espère que j'aurai assez, non, c'est pas ici que je devais aller prendre ça, c'est ici. Voilà, c'est là. Bon, Vaniga, moi j'ai fait ma part, et Tikaliab, qu'est-ce qu'il nous impose là? C'est quoi ces choses-là qu'on nous impose chaque fois? Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Ou même pour accéder, vraiment, c'est devenu un peu compliqué. Mais c'est quoi ça? J'arrive pas à accéder. Pourquoi ça me fait ça? Voilà. Bon. On a accéder à Facebook et à la matinale, c'est compliqué. Bon, alors, les amis. Nous avons, on va se dire quand même, bonjour, moi, Kalaming, Topé Sanimbotete. Topé Sanimbote, Kalamingite, quand même, Topé Sanambote, Lélo. Topé Sanambote, Lélo. Topé Sanambote. On va parler du tribalisme, vraiment. On va en parler, Baninga. Il faut tout sur la Makamwa, tribalisme, Namok, Nabiso. Ça devient un peu inquiétant. Inquiétant. Ça dit que les gens n'ont même plus honte. Alors qu'à l'époque, vous savez quand même, pour faire certaines choses, les gens avaient honte quand même lorsqu'ils posaient des actes. Mais aujourd'hui, on pose des actes sans pourtant même avoir honte. Mais bon, c'est des, tout, et tout, toutes les parties, que tu sois du nord, du sud, vraiment, tribalisme, pour moi, un abus, on doit assumer ça, vraiment. Et c'est un fléau qui inquiète les Congolais aujourd'hui. C'est un fléau. Donc, ainsi, même Boba Boya, la Sima, ils vont pratiquer pratiquement la même chose parce que ceux qui sont là, on croyait que non, c'était une spécialité réservée exclusivement
à ceux qui sont du côté septentrional, mais non, même ceux qui sont du côté du sud du pays aussi pratiquent le tribalisme. Et aujourd'hui, on va le dénoncer, on le dénonce. Pour que, quand il y a Vandaba, Bantoua Sassou, Bantoua Colino, Bantoua Nan, Benbi qui tribalisent. Et ça, j'ai toujours démontré ici, là, dans nos administrations, dans les ministères, c'est ce que nous vivons. Est-ce que nous devons continuer à cela? Non. Au contraire, donc finalement, on va faire appel à Motom de revenir, parce que Motom, lui, il était sincère lorsqu'il avait dit les choses. Et donc, il y a ma belle, il faut le refaire revenir, parce qu'en fait, en réalité, c'est ce qui se passe. Donc, il n'avait pas tort lorsqu'il s'est exprimé ainsi. Non, je pense que prenons notre courage de le reconnaître que non, ce qu'il y a, les Kamboyama Bélé, on privilégie les nôtres. Voilà, c'est comme ça, parce que quand même, ça fait mal d'autre côté. Alors, Audrey Maud, bonjour à toi, Christian Otoli, bonjour. Isidore, fils Chibwanga, bonjour à toi, Patrick André, Serge Makaba, bonjour. Jonas Sankilo, bonjour à toi. Rock Hallyday, le duc de Madingou, bonjour à toi. Bonjour à José Miloubaki, Christian Otoli, Tikaya Nanga, Claudia, Claudio Maïla, recevez le bonjour du comte de Courbevoie Badinga, vous pouvez savoir nos beautés, Suka Sukayai, Albino, bonjour, Coucou Georgette, Opportune, Pascal Mavungu, Albino, Ursule Raissa Okwere, alors, Avilik Ntieté Ngonga, bonjour à toi, Pascal Mavungu, Gore Matimouna, Flavien Guimbi, Ben Gouzouambota, le comte de Courbevoie, Landry Titembo, alors, le gardien du temple, bonjour à toi, Patrick Moutou, bonjour à toi, aussi Stone Mouy, bonjour, Christian Souza, bonjour à toi, Florelian et WM, bonjour à toi, bonjour à Manager DN Consulting, bonjour, Jacques Salomanzi, Bahine, ma fidèle, la fidèle, Alain Victor, bonjour à toi aussi, bonjour à Guy Armand, reçois le bonjour du comte de Courbevoie, William Fila, bonjour à toi, Gertrude Passy, Prince Bidoumbi, bonjour à toi aussi, Chikaya Nanga, bonjour, Donald Moulelo, bonjour, Jean-Baptiste Yassalan Kombo, bonjour, Aubin Roland, bonjour à toi, Laurent Bingou, Lâche Presto, recevez le bonjour du comte de Courbevoie, Patrick Ibizi, reçois le bonjour du comte de Courbevoie, Olivier, bonjour à toi, Samir, bienvenue, Moukouri, Valérie Yolande Bouya, bonjour, Karina Issa Batota, bonjour, Didier Matonda, bonjour à toi aussi, Arsène Bakana, alors Hugues César Chikaya, Guy Armand, Cédric Vivien FN, bonjour à toi aussi, Bishop Serge Guacamabé, reçois le bonjour du comte de Courbevoie. Bonjour, aujourd'hui aussi, on va demander à Bishop Serge Nguakamabe à taguer Muninga Naye, son ami personnel, le ministre de l'Agriculture Yankuitala Awa, Yankuizawa. Aujourd'hui, il va venir ici là pour nous expliquer avec ce bishop-là, avec son ami l'agriculture. La mécanisation de l'agriculture en Kuitalaya, peut-être que la question est là. Rock le presse, Moninga Naga, bonjour. JF Dallas, bonjour à toi aussi. Audrey Baudou, bonjour à toi aussi. Maninga, alors, Topé Sipembotina, Patrick Guélor, bonjour à toi. Paul Bazoukoula, bonjour. Fiak Nzila, bonjour. Serge Vayenda, recevez le bonjour du comte de Courbevoie. Philippe Assompia, Nabiso, Motenayo, mon cher. Bonjour à toi, mon cher. Aîné Motiangé, Samuel Kiyindou, Deo Gracias, Dominique Mampouya, oui, taguez-moi le monsieur là, le monsieur le ministre de l'Agriculture, Arakuita là, Nadège Nombo, bonjour à toi, ma gloire, ma fille, et ma fille, ma motoki, reçois le bonjour du comte de Courbevoie, Baniga, Beto Awa Boubiaï, Dorotia Baro, Deo Gracias, bonjour à toi, Jean-François Missamo, recevez le bonjour du comte de Courbevoie, Adrien Nzokolo, bonjour à toi, c'est Pascal Mavungu, reçois le bonjour, Basile Antouo, bonjour, Mambouvé Ingeta, Jean-Pierre Leco, bonjour à toi aussi, Cédric et Cédric Vivien, bonjour, Gaël Meug, bonjour, Boubarou Barel, bonjour, bonjour à toi mon cher, ah oui, bonjour à tous les matinaux, bonjour, bonjour à Papa Sucré Yampouya, bonjour, Françoise Bouélosa, Jacqueline, bonjour, Bruno Mayala, Gauthier Massa, reçoit le bonjour du comte de Courbevoie, Jérémy Loubaki, Fortuné Bassangatala, bonjour, Fabrique Maf, bonjour, Serge Maroukou, Jean-Richard Gombi, Koubéné, Kouka Bene, Bene, bon, j'ai passé, j'ai... Orfei, bonjour à toi, Hugues Denis, bonjour à toi aussi, Pushkin de Talian, bonjour à toi aussi, alors, Vanga, Souley Opimba, reçois le bonjour du camp de Kouba, Liki Silikibi, Rodney Boss, reçois le bonjour du camp de Kouba, Bataza Baoumina, bonjour à toi aussi, Vanga, Marie-France Sophie, reçois le bonjour du camp de Courbevoie, Jean-Raoul MB, Motiangé aussi, Guy Roger Goma, Rodney Boss, Benyon Sionavel, Joséphine Massoutenet,
Joséphine Bansiba reçoit le bonjour du camp de Courbevoie. Hélène Moukouyou, ah oui, tu as bien raison de me rappeler. Hélène Moukouyou, bonjour à toi aussi. Bonjour à Goma Fefe, le président de la matinale. Yamba, bon tiennayon, mon cher. Parfait Mengo, Moana Bakongo, bonjour. Parfait Mengo, Albertine Fenet, Benio Soulevel Kouzouan Boté, le comte de Courbevoie. Rodi Kingia, bonjour à toi aussi. Alison Kali, bonjour à toi aussi, Malinga. Alors, mettez ça aussi, Mboté, na Gaël Bertrand Ivuka, bonjour. Franck Da Silva, Chiki Chikimpia, bonjour Guy Elvis, Anissé Sita, bonjour à toi aussi, Pampangamono, Rossi Ibe, Richie Tiferi, Geoffrey Mbaï, El Mpaka, reçoit le bonjour, Barthélémy Mbemi, bonjour, Liliane Gendolo, bonjour à toi aussi, Annie-Claude Chitembo, reçoit le bonjour du camp de Courbevoie, Christian Mukenge, bonjour à toi aussi, bonjour à Christian Souza, Guy Samba, Benigno Soina, Benoukouzambote, Olivier Mwanga, bonjour à toi aussi. DJ Kiadingu reçoit le bonjour du camp de Courbevoie. Guichel Le Benjamin, bonjour à toi aussi. Betmezimanave aussi. Lili Bagana du côté de Tchétché reçoit le bonjour du camp de Courbevoie. Pierre Lou du côté de Pointe-Noire, bonjour à toi aussi. Christian Mukenge, bonjour. Ida Siemo, Yannine aussi. Mbotiange aussi. Sheila Fungi, Mbotiange. Satel et notre informaticien reçoit le bonjour du camp de Courbevoie. Thierry Elenga, bonjour à toi aussi. Et toute l'équipe de la matinale. Ben Kouzouan Botel, le compte de Courbevoie. Alors, Vaninga, Boubiaï, Paul Mbungu, bonjour à toi aussi. Nadège Nombo reçoit le bonjour du camp de Courbevoie. On n'a pas aussi oublié la trésorière de la matinale et l'association de la matinale, Rebecca Mungunga. Reçoit le bonjour du camp de Courbevoie. Jean-Baptiste Silélo, bonjour à toi aussi. Tico Soumazaret, Mbotiangé, Jojo Malonga, Mbotiangou, Mbotiangé, mon cher Orkali Niam, bonjour. Léandre Mizi, bonjour à toi aussi. Rufine Koumou, du côté de l'Allemagne, reçoit le bonjour. Sylvie Edivige Mbougou, bonjour à toi. Claudia Mali, Bekouzou Mboté, le comte de Courbevoie. Eddie Bin, bonjour à toi. Excellence Obé, reçoit le bonjour. Karl Mbama, Binonyo Suana, Mboté. Alors, Tokuta ne me connaît pas. Alors, les amis, mettez quoi de Mbam, on a coûté la régie parce que vous voulez que nous avons coûté. On va aller là-bas, je pense que nous mettons de l'information pour passer tout. Jingle, Bété Banda, Mamboabé. Bon, les amis, aujourd'hui, les premières informations nous amènent Bété Sapé Sabeno, information nécrologique. Bété Banda, la mère chef. Les premières informations nécrologiques, Bété Natabé, nous la côté à mère chef, Bété Kouna, la côté à la régie, Bété Tala, la veuve Aline Mouanganga, Françoise. Yandina, Bété Tala, côté à la régie, c'est la régie, voilà, nous sommes à la page, la régie, mais tout Bété a déjà, mère chef, voilà, la veuve Aline. Donc, née Mouanganga Françoise, qui est née en 1937 et qui est décédée en 2027. Alors, les amis, les familles Onguya, Kumbansaka, Leye, Leye Gabuka, Ngobo, Okoko, Itia, Kumu, Ali Yonza et la fraternité Notre-Dame sans frontières, fraternité Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Il y a qu'on a présenté, donc présente au programme, il y a funérailles, il y a Bena Utalaka, le samedi 23 mars 2024. À 9h, levée de la dépouille à la morgue municipale de Brazzaville. 10h, exposition de la dépouille dans la salle VIP. 10h30, départ pour un recueillement au domicile familial au 39 rue Bakongo à Potopoto, secteur Mbaka, avenue de la Paix. 12h, départ pour la basilique Sainte-Anne pour une messe. 14h, inhumation du corps au cimetière du centre-ville. 16h, fin de la cérémonie. La famille vous remercie pour votre soutien et votre présence. Donc, il y a les programmes Ekoleka, samedi 23 mars 2024. Programme à la funéraire, il y a maman, il y a Betoya Bakeboukla, la mère chef, la veuve Aline Mouanganga, Françoise Yandiaï, Mebika Beto, donc que la terre lui soit légère, vraiment, que nous avons réservé Yandi, que Dieu lui réserve une place dans son royaume, Kuna, Papangamuno. Alors, Baninga, on a fini avec notre veuve mère, la veuve Ali, mère chef, on va aller du côté Beto Kwen Talan, Selom et Papa Beto Nsele. Alors, notre Papa Nsele, nous avons. Nous vous donnons les informations de notre papa Nsele
Mouzo Clément. Alors, peut-être à côté de la régie, si la régie, voilà, la régie est aussi à la page. Donc, peut-être vous avez nos programmes. Il y a déroulé, il y a obsèque, il y a Papa Beto. Donc, je vais vous donner le programme Inakivan d'Ayambassi hein, pour la journée de demain. Attendez, je vais prendre mon téléphone parce que ma mise sur Mounia aussi me confond quoi déjà. Donc, je vais prendre mon téléphone, c'est mieux avec le téléphone. J'ai vu que au niveau de Facebook là-bas, on a des petits soucis là-bas pour se connecter. J'ai vu que bien qu'il n'a pas ce qu'on a pour se connecter, mais bon, vous savez, on est habitué avec ces gens-là. Voilà, donc, Célé Mouzo Clément. Déroulé des funérailles de M. Clément Célé Mouzo. Donc, vendredi demain, c'est-à-dire demain 22 mars 2023, 18h, messe à la paroisse Saint-Pédis, commune de Ngiringir, 20h, veillée de prière à la salle FCM Les Érudits, avenue Kingangwa, numéro 12, direction Assosa, commune de Ngiringir. 20h, animation religieuse, orchestre de la paroisse Saint-Pédis, plus Banambila. 21h, chapelet animé par la CEVP Moussali Wanzambi. 22h, biographie de Papa Clément Célé Mouzo. Témoignage, 23h30, musique traditionnelle, 3h30, animation religieuse. Maintenant, pour la journée du samedi 23 mars 2023, à 6h, messe d'office du matin à la paroisse Saint-Pie-X, commune de Ngiringiri. 7h, départ pour la morgue cinquantenaire, 8h, levée du corps de la mort, cinquantenaire, plus départ pour la cathédrale Notre-Dame du Congo, 8h30, recueillement à la cathédrale Notre-Dame du Congo, intermède musical, témoignage, dépôt des gerbes de fleurs, biographie de Papa Clément Célé Mouzo, 10h, mise en place pour la messe, 10h30, début de la messe des funérailles, 12h, départ pour le cimetière Nécropole 1, après le retour au cimetière, vers d'amitié, dans la salle FCM Les Érudits, avenue Kingwanga, numéro 12, direction Assosa, commune de Ngiringiri. Alors, cordial bienvenue à tous. Alors, l'herbe est Kemani Sakwaku, Betekwena maintenant, Naba annonce, Yamebikana Beto, Ya Panga Beto, Freddy Jacques Matonda. Donc, Freddy Jacques Matonda, Betekwenta là, côté à la régie, Betekessa là, Yampanga Beto, Freddy Jacques Matondi, Yanyan Bika Beto aussi. Donc, on va voir du côté de la régie si la régie est déjà prête pour que Bete Saléa ou d'accord. Donc, ici, on va vous donner très rapidement le programme. Il va dérouler à la mémoire de Freddy Jacques Matonda. Je crois que du coup, la régie, voilà, la régie est déjà à la page. Alors, Jacques Matonda Bikindou, qui est né le 4 mai 1974 à Pointe-Noire, décédé à Créteil le 7 mars 2024 à l'âge de 49 ans, domicilé à Grenier. Programme de funérailles de Jacques Freddy Matonda. Cérémonie religieuse, vendredi, c'est-à-dire demain, 22 mars 2024, à 14h, paroisse Saint-Germain, 12 rue du Général Leclerc Gagné. Inhumation, vendredi, 22 mars 2024, à 15h15, cimetière de l'Est, 3 chemins aux abbesses Gagné. Donc, il y a un programme Betnepe Sabine. Bon, que nous avons réservé des places à Chouakouna, qui le reçoivent dans son royaume. Alors, une fois qu'on a fini les nouvelles écologiques, on a quand même des bonnes nouvelles qu'on peut donner très rapidement. BTP, ça va être la nouvelle, il y a anniversaire. Donc, un anniversaire va nous amener du côté BTP, on va aller du côté de Roi pour fêter un anniversaire. Un anniversaire pas comme les autres aujourd'hui. Nous allons fêter l'anniversaire d'une jeune fille de 15 ans, BTP, Kuna, Imbake Bouklaga, Carole Kaba. Alors, BTP, demander à Régis, Sandra, tout le BTP, Nania, pour que BTP, fêter anniversaire, il y a des Boubouyaï. Nous allons voir du côté de la régie. Voilà. Ça, BTP, fêter. Les 15 ans de Carole Kaba, Yandia, Carole Kaba, du côté de Rouen, Kounato Pessaye, voilà, en Normandie, hein, c'est ça, hein? Ou bien les Alpes-Maritimes, non, pas les Alpes-Maritimes. Et là-bas, c'est où? C'est la Seine-Maritime. Hein? Bon, bref, il y a un département, écoute. Benbenzame, beau critique, beau yébité. Alors, Vaniga, joyeux anniversaire à toi, Carole Kaba. Vraiment, le Vanabiso, on veut bien prendre du champagne, sauf que pas aux Alliés. Nous, on va prendre les TGV. Si vous avez une voiture, vous allez tout y a comme la joyeux anniversaire à toi. C'est un moment qui te fait cette très, très belle surprise. Alors, à toi, très, très joyeux anniversaire. Alors, Papa Ngamono, Beto, Kwenda, Mbangu, Mbangu. Ah oui, on avait aussi, bon, voilà, ça, bon, on fera ça demain, c'est pas trop grave. Beto, Fado, c'est la nouvelle écologique, président Loutissa. Anniversaire, Kwenda, Beto, Mbangu. Alors, Beto, Kwenda, on va aller One Shuttle très rapidement parce que programme Keyin Daboubia pour que Beto, Mbangu, Mbangu. Betkweda, One Shuttle,
Alors, le programme, les amis, date limite, il y a des points, mais il n'y a que le 25, les amis, le 25. Alors, Batoke Kwenda, le 29, les amis. Il ne vous reste pas beaucoup de jours. Précipitez-vous, Benissal Babimaben, pour que Mabou Louta. Très bien. Donc, appelez Papa Marcel, numéro à téléphone. Yahouya Yakela ou affiché, c'est lui qu'il faut appeler. Ne m'appelez pas moi, Doko, c'est lui. Le numéro de téléphone s'affiche là. Vous l'appelez. C'est un numéro WhatsApp, où que tu sois, où qu'il soit, il peut vous répondre. Ben là, pour qu'il y aille, pour que Ben dépose Babimaben, puis Papa Babimaben. Alors, le thème, ça va acheter Bete Kwenda Paris Colis Express. Alors, Paris Colis Express, c'est un ah, ben dépêchez-vous, parce que l'enlèvement se fait aujourd'hui, au plus tard, Boubiaï, enlèvement que salam. Donc, si vous ramenez les trucs trop tard, et ne venez plus me prendre et prendre la tête. Ah non, ma bête me coumavait, mais oui, là, Paris Express Colis, donc enlèvement que salam à Boubiaï pour que vous m'appuyez d'ambassade, au plus tard le week-end, vos trucs sont au Congo-Brazzaville. Appelez ce numéro de téléphone pour que vous indiquez bien nos 20-20 en retard, aujourd'hui, au plus tard, dans la soirée, il y aura les enlèvements. Donc, Ben Boki, là, au numéro de téléphone, il y a 06 67 95 20 66. Là, dépêchez-vous, si vous voulez. Bon, là, ceux qui déposent aujourd'hui, ils ont la chance parce que le lendemain, ben, Mabba Mekouenda. Donc, en moins de 48 heures, Mabba Kekoumana, Congo Brazzaville. Ça, c'est par avion. Yahini par avion. Ça, c'est l'avion. L'avion, il y a Paris Express Colis. Appelez le numéro de téléphone. Si vous avez des urgences, c'est maintenant ou jamais. Alors, les amis, il y a Bete Manissa, Bete Nwanda, tout Bete Jingle, Bete Bada, émission, il y a Mbango, Mbango, parce que l'heure qu'il y a Mbango, aussi Mbango, Baninga, Tokele, Bachabso, Jingle. Alors, les amis, les fidèles de la matinale, mes amis, peut-être que demander à Régien tout la bête au météo à la bourse, si jamais préparé à Kuna déjà météo à la bourse, tout que les mbango mbango, tout sous le lamo colère. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Jeudi, bon, c'est pas encore vendredi, mais nous sommes déjà jeudi, c'est un beau jour déjà. Il fait très beau à Paris. Météo de la bourse, nous sommes toujours au-dessus des prévisions du gouvernement à 86,56 $. Nimbong, une bête n'a pour négocier que n'a pour ça la pétrole, la bête n'a pour texacaya. Bambon, réseau, côte, abyss, c'est un euro, passe à peuple, le peuple aujourd'hui, on a un talavre qui signe. À la talavre, ça, il boubia, à Congo, Brazzaville, ce que vous voyez là, c'est pas le peuple, le gouvernement, baba, la talanza, abyss, c'est un euro. Et ça dit que le gouvernement, il a, bah, fait ça qu'à responsabilité, n'a, monsieur, n'a, qu'à, monsieur Ludovic Ngatcheye, bah, service, n'a, S5, plus un bon réseau. C'est lui, le ministre des comptes publics. Il y a un danger qui va en bas, on a bisou. Donc, il parle, bah, on clame bon, écoute, mais il parle, on a bisou, bloc, les alités. Alors, bah, n'y a, ce qui fait que, Beto Fongo, la premier chapitre, à Beto, il y a la matinale, à Bobiyaï. Le premier chapitre nous amène, on va parler un peu du tribalisme au Congo-Brazzaville. Pourquoi je souhaiterais qu'on parle du tribalisme au Congo-Brazzaville? Ce n'est plus un secret. Eh bien, que t'as la sonina pour Zonzilia. Vous devez pas avoir honte de parler du tribalisme parce que ce tribalisme existe. Et ce tribalisme se manifeste par les faits. C'est quoi le tribalisme? Le tribalisme est lorsque tu essaies maintenant. Le tribalisme, ça a toujours existé parce que par exemple, moi, aujourd'hui, comme a fait M. Denis Sassou Nguesso, il est président de la République, il s'est entouré des siens. Ils sont entourés des siens, ni bantoyant, ni baka, tout autour à Yandi. Et à mes 11 ans, moi, pour être assuré ma sécurité, je dois prendre mes enfants, je dois prendre les aimants de ma famille. Vous partez à la présidence de la République. La présidence de la République est le symbole du tribalisme au Congo-Brazzaville. La présidence de la République, vous prenez la garde rapprochée de M. Denis Sassou Nguesso. Il n'y a qu'un, il n'y a pas un Makoso là-bas. Il n'y a pas un Louimba, il n'y a pas un Tikaya. Il n'y a pas même, comment on l'appelle là, les Mavungu, Ike, les Venakatia, c'est que rapproché à présent de la République. Et pourtant, Kentoyan Kemouvili. Kentoyan Kemouvili. Et pourtant, Kentoyan Kemouvili. Donc, ceux qui gardent M. Denis Sassou Nguesso, il n'y a que Bantu, il y a quoi, Yann, il s'est dit qu'il y a côté Yann. Département, il n'y a que Venia, qu'on ne sait pas qu'à Bantu, non, à Zubato, bah, peut-être il y a la Likwala. Non, ce ne sont pas les gens de la Likwala qui assure la sécurité du président de la République, ce sont les gens qui sont de la cuvette, et lorsque la cuvette est resserrée, il y a un bateau très proche, il y a eu avec la garde rapprochée du président de la République, donc il a fait confiance aux siens. Et ce qui est le nom, il y a la garde maintenant républicaine. La garde républicaine sera Kekuna, gérée toujours par les siens toujours. Au moment de la tête, tu m'as dit, Sika, à Kenekuna, et à Bato, il y a Zanago, confiance, ni Batoana, parce qu'il a peur, il se dit que, gars, il faut Bato Bazalawa, ce qui Bato Bazalawa, t'es Ngana, au Kokali Susuti. Et voilà, c'est ce que les Congolais sont en train de vivre aujourd'hui au Congo-Brazzaville, et ça s'est répandu partout.
Et lorsque vous voyez bien comment est gérée la présidence de la République, c'est le modèle et les gens essaient de copier sur ce que le président de la République a fait à la présidence de la République. Le président de la République, mon collègue Léon, lorsque vous prenez sa communication, est dirigé par sa fille, c'est là qu'on appelle Lumumba. Il faut que les Congolais entendent ça. Et aujourd'hui, même le protocole aujourd'hui sera confié à sa fille. Fille Ayane, il m'a remplacé, fille aînée, il n'a pas que Boklaka, Julienne, Sassou Nguesso, Niandina. C'est elle qui va maintenant assurer le protocole du président. Donc la sécurité auprès, comment on appelle ça, auprès de ses siens, la communication, sa fille, la Nania, protocole, sa fille, et tout autour Ayane, Nikaka, Bantoyane. Alors, comme il y a que Fossoïna, et lorsqu'on va essayer un peu d'extrapoler, lorsque vous allez voir, c'est-à-dire en ce qui concerne la sécurité sur le plan sécuritaire, on reste d'abord sur le plan sécuritaire. Tous les postes de commandement, tous les postes de commandement sont aux mains des gens qui sont issus de la partie septentrionale. C'est eux qui ont décidé de diviser ce pays en deux. Ce n'est pas Déco qui a divisé ce pays en deux. La première des choses, regardez la grosse faute. Ils ont décidé de mettre deux langues nationales. Pourquoi deux langues nationales? Pourquoi deux langues nationales? Il faut se poser la question, pourquoi deux langues nationales? Pourquoi on n'a pas choisi le Lingala partout? Pourquoi on n'a pas choisi le Kikongo partout? Vous n'avez nové. Parce que les autres, on peut faire un effort. Tu peux parler Kikongo. Si c'était la langue nationale, moi, je vois bien tous ceux qui sont à point noir. Vous savez, je ne suis pas né à point noir. Moi, je suis un citadin. Vous avez 6 points noirs aussi avec les villes, hein? Est-ce que vous aussi, ce n'est pas le village? Bon, bref, moi, je ne suis pas né à Pointe-Noire. Bon, ceux qui sont à Pointe-Noire, à l'époque, depuis Tama, donc dès le bas âge, je fréquentais déjà la ville à Pointe-Noire. Là-bas, personne ne parlait Lingala. Tu parles Lingala, personne ne comprenait Lingala. Personne. Babani Zozaka Kikongo Kuna. C'est là-bas que j'ai appris le Kikongo. C'est-à-dire Ka Kikongo, Bake Zozaka Kuna, na Pointe-Noire. Et vous allez voir même les gens qui quittent même Pointe-Noire. Ils me cuisent à Brazzaville. S'ils n'avaient pas des parents à Talangaï, Wenze, tout ça, va qu'ils osent ouvrir Kikongo et Lingala. Pendant qu'on va Lingala, il faut vendre à Wenze. On va nous parler à Talangaï, puis là, au Kekuna, au Kongo. Les Mikalou là n'existaient, les Kongo là, ça n'existait pas. Ça, ce sont des choses qui sont arrivées là. Les Yakanoki, Noki là qui ont occupé. Ça n'existait pas, les Kongo là. On va Sengo, tout ce que vous voyez là. Ça n'existait pas. Les quartiers-là n'existaient pas. Il y a eu expansion, il y a eu la Brazzaville et Sandéguana. Donc, on avait un Pila, Talangaï et Soutouana, encore un peu Mikalou, tout ça là. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez après là, ce sont des gens, c'est pour ça que ces gens-là n'ont même pas le monopole, parce que ça l'avait tout inoua. Donc, ce qu'on a, Kachan, on le voit Lingala. Et Mungali et Potopoto, c'était des arrondissements cosmopolites. Là-bas, on trouvait de tout, le Lingala, le Kikongo, et à Potopoto, dominance, et ça dit que la langue nationale Lingala, elle était dominante, en tout cas à Potopoto. Et Bakongo, Materekele, c'était le fief. Inbabani Zosa, le Lari, c'est le Lari. Et le Kikongo vers Kinsundi, Mukunzingwaka, parce que les ressortissants du Grand Nyari, Inbabani Zosa, Kikongo. Ceux-là, ils ont occupé une partie du plateau de 15 ans vers les rails. Secteur Nyonsinabandi, là-bas. Mais parce que c'était découpé comme ça, je suis désolé. Et Mukuzingwakam, Filou, la base, tout ça, c'était comme ça. Et je n'ai pas compris comment ces gens-là avaient décidé de mettre deux langues nationales. Pourquoi? C'était tout simplement parce qu'à l'époque, on pouvait décider le Lari, la langue nationale. Elle était parlée partout, le Lari. Le Lari, j'étais surpris. Je vous dis, mais c'est la vérité, hein. Bon, non, on a pas idée, on a qu'à Tchamoutou, au Bozo, l'Obakawana, n'importe quoi. Bon, non, on a qu'à. Parce que lorsqu'on vous parle du mot Lari, là, c'est comme si, bah, on doit Bouma Kabino, alors qu'on sait ceux qui ont ruiné ce pays-là. Dès qu'on vous parle de Lari, là, si vous êtes déjà aigri, bossiliki, vous avez du mal à supporter dès que vous entendez le mot Lari. Alors que ceux qui sont au pouvoir, là, sont pas des Lari. Donc, calmez-vous quand même. Le Lari, à l'âge de 8 ans, je me retrouve à Enyele. 8 ans. À Enyele. Dans la Likwala. Donc, au fond, fait là-bas, j'ai trouvé des gens là-bas en train de parler Lari. Ah! Et j'étais très content puisque maman n'a pas la Lari. Donc, Nakekuna, la maman là me prenait là-bas. Vous en avez quand même moi, Nanaï. Donc, les missionnaires. Lorsque vous avez les missionnaires qui partaient partout là-bas, là-bas, à l'église, et c'est comme ça, cette langue s'est répandue dans la République. La langue Lari, les Kobakongo là, voilà. Ça s'est répandu dans la République, c'est avec les missionnaires et tout ça. Et en plus, les enseignants, à l'époque, les enseignants, c'était à majorité Bantu, Vandik, du Sud. Ceux-là, c'était des enseignants. Et comme il fallait les envoyer un peu partout, le Lari était parlé. Et voilà, on pouvait bien mettre cette langue nationale. On l'a pas fait pourquoi?
Parce qu'à cause du tribalisme, ah non, les Bakongo là, voilà, c'est eux, le pouvoir, ah, les Youlou, les Massamba Déba, tout ça. Donc, les Lari, les gens du pool ont eu la malchance parce que les premiers présidents du pays, c'était les Lari. Donc, après, comme il y a eu renversement de régime, et baba, ils se sont braqués. Et ils vont nous imposer deux langues. Les Kikongo. Et les Kikongo, ce n'était pas la langue la plus parlée au Congo, ou soit le Lingala, la langue la plus parlée au Congo. Mais ils ont imposé ça. Et il faut reconnaître quand même que le Lingala était la langue parlée là, du côté septentrional, parce qu'eux, ils comprenaient que ça. Bon, d'accord. Mais toutefois, je viens de vous donner une démonstration. Et lorsque très jeune, je partais à Pologne, personne ne parlait Lingala là-bas. Parce que Jovan Zosa Kikongo, vous qui venez de naître là, ou vous qui venez de découvrir Pointe-Noire, vous croyez qu'à Pointe-Noire, on parlait Lingala, vous n'avez pas. Donc, aujourd'hui, tu vas à Pointe-Noire, les gens parlent Lingala. Donc, c'est possible, on aurait pu garder une seule langue, même le Kikongo, qu'ils avaient décidé sur toute l'étendue du territoire national. Ou soit le Lingala, sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi ils ont fait ça? C'est eux qui ont créé cette division. Ils ont séparé, bah, mais séparé Bétou. Alors qu'on n'aurait pas dû nous séparer. Ils vont même séparer Bétou, même sa distinction entre le nord et le sud. Et à partir de là, on a commencé à s'identifier. Pire encore arrive la guerre de 59. Oh mon Congo, Abomi Mungala, oh Mungala, des trucs comme ça. Et alors que nos pères fondamentaux, non, nos pères fondateurs, ceux-là, lorsqu'ils fonctionnaient, vous avez suivi vous-même dernièrement, je vous ai passé un élément de Pascal Issouba qui parlait que non, Arnaud Lacroix, Opango a dit, je ne peux pas être dans un gouvernement où il n'y a pas Youlou ou vice-versa, des discours comme ça. Mais ça, c'était un symbole. Tu crois que c'est Youlou qui l'avait dit ou Opango vice-versa. Mais ça, c'est un symbole. Il y a l'unité nationale. Mais aujourd'hui, cette unité nationale a volé en éclat. A volé en éclat, pourquoi? Parce que les dirigeants qui sont venus, ils ont amené le tribalisme dans le mauvais sens. Le tribalisme est l'okama bété. Il y a les tribus. Il y a les tribus, ça vient de la tribu. Tribalisme, ça vient de la tribu. Nos tribus ont toujours existé. Mais le tribalisme, on a besoin de cultiver. Et ça s'est cultivé pourquoi? C'est parce que les gens restent très longtemps au poste de responsabilité. Une fois que va vendre un poste de responsabilité, bah, où, mais là, à un moment, tu peux plaire aux gens, à un moment donné, les gens en ont marre. Les gens pensent qu'ils doivent changer quand même les choses. Mais comme tu veux t'incrustrer et tu veux rester éternellement là, tu commences maintenant à te protéger. Et lorsque tu te protèges, tu penses que pour avoir la meilleure protection, ils vont mettre tout là-bas, toi, en guet. C'est comme ça. Et ça est venu, ça arrivait comme ça. À force de rester longtemps au pouvoir, tu prends les siens, tu te préserves parce que tu te dis, non, le peuple ne veut plus de moi, tout le monde veut faire un coup d'État, tout le monde veut prendre ma place, et tu commences à te préserver. Et lorsque tu te préserves, tu te replies. C'est ce qui va faire que là, repli identitaire. Et les gens se protègent, et là naît maintenant le tribalisme. Voilà le tribalisme, ina et imbiya ou ina. Et lorsque le président de la République donne ce modèle, il suffit seulement de voir la composition du gouvernement de la République. Tous les postes regardiens, ou bien la poste, ou bien quand les régies financières sont tenues par qui? Les régies financières au Congo sont tenues par qui? Nous sommes dans un pays où 80% ou 90% des généraux sont issus du Nord. Sont issus du Nord. Donc, dans le Poul, la Lekoumou, la Bouenza, le Nyari, et le Kwilu, Kuna, Bakel Veba Mkreba, généraux Kuna, Bakel Salave l'armée, Bakel Salave Abima bien, rien du tout. Et ça s'explique aussi. Parce que c'est préparé dès le bas âge. À l'école militaire des cadets, les clercs m'ont dit Zozaka pour intégrer une avalie élite avec Tama. Aujourd'hui, lesquels qui rentrent là? Il y a Baka et Bakaïna, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux-là qui imposent les gens qui sont là. Et compte tenu des guerres que nous avons connues, on a chassé certains cadres du Congo. Que tu sois du Sud, ah non, toi, tu as voulu faire un coup d'État, oui, toi, tu as coopéré avec Intel, tu as travaillé avec l'Issouba, donc toi, tu dois partir. Avec qui, Baba, qui n'a exil, le champ est resté libre, Baoun, Baba, qui s'est imposé. Aujourd'hui, 90% des généraux sont du Sud et du Nord. Ce n'est pas normal. Il y a un grand déséquilibre. Et voilà, aujourd'hui, en Conseil des ministres, les conseils des ministres qui ressemblent aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la récréation avec Kouna Salakouna, les autres lorsqu'ils font le conseil des ministres. Nous avons le rendu, le compte rendu du conseil des ministres, là, les Congolais sont là. Moi, je me souviens, en 91, 92, avant passant l'élection à l'Issouba, c'était Milongo qui était le premier ministre de la transition, le président du conseil des ministres.
C'est lui qui était le chef suprême des armées, André Milongo. Le président Sassou était président, bon, Capilina, sans pouvoir. Sans pouvoir, il était président. Milongo était le président et le premier ministre, chef du gouvernement, président des conseils des ministres. C'était lui le prince, le chef suprême des armées. En quelque sorte, un président de la République. C'était ça. Mais lorsque Milongo organisait ses conseils des ministres, Bete Nyonso, ça commençait à 11h, à 13h, tout le monde était là, il y avait des choses qui sortaient là. Et on traquait les voleurs de la République. Et il y avait des solutions malgré la situation qui était difficile. Et déjà même sous Milongo, et je vous le dis, ces gens-là sont sadiques. Le Parti Congolais du Travail, ils sont sadiques. Ils sont sadiques. Parce que même sous Milongo, on lui a mis des bâtons dans les roues. Il met Vanitala. Mais il a souffert, le gars. Malgré souffrance, Milongo a même fait un voyage, arrivé jusqu'en France. C'est pour ça que je vous dis ceci. C'est-à-dire que le pays, là, c'est peut-être vendre, peut-être vendre la histoire de Congo. Personne ne sera épargné. À l'époque, l'UPADES, là, que vous voyez là, l'UPADES, qui était avec Bongo Noara. Bakwena, ça, l'alliance, malgré. Parce que pourquoi? Parce que l'UPADES a été battu, ça dit, Lissouba a été battu à la conférence nationale et en perdre que Post a primaturé, il n'a pas ça. Et Milongo avait gagné, il n'a pas gagné, il n'a pas gagné, que et Bongo Noara, vous vous souvenez de Bongo Noara, celui-là qui fut le premier ministre sous Lissouba. Yandina, Milongo fait un voyage. Il vient en France pour chercher l'argent. Un Bongo Noara passe à la télé. Mon Okonanga Nganga, à cause avec zéro fonds. Toi, tu es homme politique. Tu es Congolais. C'est-à-dire que tu souhaites le malheur. Yo, homme politique. Et parce que tu as fait alliance, l'air Makamane et Bebaki, à cause de l'alliance, la partie Congolais du travail, alors que c'était les premiers à la conférence nationale qui ont tiré à boulet rouge sur Sassou Nguesso. Ils ont tiré à boulet rouge sur le parti Congolais du travail. Mais pour leurs intérêts, Bantouyi d'intérêt. Mais d'ailleurs, vous savez bien, à l'élection présidentielle, Sissouba a fait alliance avec le PCT, avec Sassou, et ça a tourné au vinaigre après. Ça a tourné au vinaigre bien après. Mais ils étaient bien contents de faire cette alliance pour accéder au pouvoir. Mais ça, donc c'est pour vous dire que non, je raconte pas les conneries. Et les amis, un Bongo Noara, toi tu es patriote, tu es Congolais. Ne mettez pas le premier ministre qui n'a pas son Bongo. Et tu es content parce que vous avez utilisé les lobbies pour coincer que va faire ça, un Milongo Bongo V, il n'y a plus foutre ma salaire. Bon, vous voulez que nous gardons quel souvenir, Yangi? Quel souvenir? Et des hommes politiques comme ça, qui appartiennent à ces partis politiques, et à la image qu'il a. C'est comme si aujourd'hui, le ministre des Finances quitte le Congo, il vient ici pour négocier l'argent, comment on appelle ça? Il y a des opposants là-bas. Ou bien, comment tu appelles? Tchatchim Abiala dit oui, tu vas là-bas, tu vas échouer, tu ne vas pas réussir. Mais on doit te bannir. Il ne faut pas bannir, n'est pas Katou, n'est même côté, n'est quel. Parce que ça, tu veux, même ici, la Katia Timangé, n'est qu'une Zola Filina. Mais tu ne peux pas évoquer ça aux yeux du monde, que tout le monde sache que non, non, un tel ne réussit pas. Mais lorsqu'un tel ne réussit pas, c'est le pays qui recule. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas souhaiter l'échec de Koné Makosso, même si je ne partage pas les mêmes valeurs, je les trouve incompétents. Mais ce que je fais, je pousse que Batsang Mbote pour le pays, parce qu'en fait, on tire le pays vers le bas. Vous croyez que moi, aujourd'hui, ce que Sassou est en train de faire, échec à Sassou, ça peut me faire plaisir? Si tu dis que tu es content que Sassou échoue, mais c'est grave. C'est grave. Mais on a eu les hommes politiques qui ont tenu ce même discours-là. Et voilà, aujourd'hui, ce tribalisme-là qui est en train de nous suivre partout. Mais comme le président lui-même, il a mis ça même la tribaliste. Il a développé ce tribalisme. Et voilà aujourd'hui les nominations. Aujourd'hui, Nafiga va mettre ça la nomination. Regardez. Ça vous fait pas mal lorsque vous voyez ça. Monsieur Rodrigue Malanda Samba, vous n'allez pas me dire que non, c'est un nordiste. Rien que le nordiste, Malanda Samba, lorsque j'entends ça, rien que par la connotation, Mouzaba origine, mais c'est comme ça. C'est fait comme ça. Il y a quelqu'un de vous, nous. Lui, il n'est pas métisse pour dire que non, papa Yann, non, 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 non. Ça, on sait d'où il vient. On le sait. Papa Yann aussi peut aussi être Zaba. On a quand même une idée. Ou à côté avec Katuka. Donc, Rodrigue Malanda Samba, Yann Yahi, originaire de la partie sud du pays. C'est clair. Président du conseil d'administration, Yafiga. Yann Yabametou. Yann Yahi, Daï Affaire Branham Kitomo. Il est du Niboland, là. Voilà. Il est là. Il est dans le Grand Niari. Donc, il n'est pas la partie nord. Yann Yahi, Brice Makaya Kokolo, il ne peut pas être. C'est-à-dire que le nom Makaya Kokolo, ça se retrouve pas dans la, comment on appelle ça, dans la Likoua, là. Non, c'est pas possible.
Ça dit qu'il y a un Kumuyame hérité Yahou de la partie sud. C'est ton Makaya. Makaya, là, c'est pas les villes, là, les Makaya. Les villes, ou soit, je sais pas, ou bien les gens du Niboland, ou bien comment. Même Yahou, Kokolo, Kokolo encore, ça peut être même de poule. Donc, entre, ça dit qu'entre le poule, Nyebar, Nyosuna. Donc, regardez les trois têtes là, qui vont diriger maintenant Figa Yabetuna, le fort d'impuissante garantie et d'accompagnement. Bah, mais PCA n'a pas, Kanaba, le même plan. Bon, maintenant, Binon Boligwa Novani. Mais il y a un piège. Basali Bango piège Kaka. Sassou est content. Lorsqu'il voit ça, Sassou est très content. Il dit, bon, voyez-moi ces gens-là. Et demain, ils vont dire que non, oh, Sassou est tribal. Mais c'est ça, là, vous avez été piégé. Là, Sassou est bien content. Il montre aux yeux du monde que non, le tribalisme, c'est pas seulement moi. Nous sommes tous dans le tribalisme. Et il le démontre ici, là, avec les trois, là. Pas mes piégés, mais le bouzo, bah. Voilà, quelqu'un proposait les trois noms. Moi, je veux savoir, les Belmos Belge, ça a ma proposition, ma Koumiaï. Vous vous posez pas la question pour vous dire, mais ah, en fait, on a mis quand même ça. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Dites-moi, comment vous avez fait? Quel courage, Belme Bouzoua? Mouna Zav Sabine. Belme Zavi Soumoun, courage, Belme Bouzoua. Y'a oua, façon y'a, Belme décidé, n'a pas ça là, qui tribalise, y'a un le fossoyen. Dites-moi. Comment vous avez fait? Celui qui a eu le courage, moi je veux savoir, celui qui a eu le courage de proposer les trois noms, Balikoum Tatuyaï, na conseil des ministres. Et ça, c'est lorsqu'il voit, je pense qu'il voulait peut-être même s'opposer. Et à un moment, il me dit, ah, Tika, Talabango, Tika Bango Basala, pourquoi, comme ça, Balakisa quand même, lobby, Tangobiso Toko Salaboué, Bal de Balisoussou. Mais c'est simple. Vous donnez raison alors que là, on était content, là, on devait cogner sur Denis Sassou Nguesso. On devait dire non, Sassou Nguesso est tribal. Mettez-vous à zone de pilier. Mettez-vous à zone de non, Sassou, il ne faut pas faire des choses comme ça. Il ne faut pas, Denis, que tu fasses les choses parce que tu as là, tu as des généraux Bagnonso, originaires du Nord. Regarde la composition avec Kipangé. Mais là, maintenant, qui peut encore parler? Qui peut encore parler? Là, maintenant, vous mettez-vous sur Fosso aussi. Qui peut parler encore? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi là? Est-ce que ça, c'est pas le tribalisme? C'est ce que nous reprochons, non? Lorsqu'il fait ces nominations-là, il y a les O, les I, les A, les tu. Voici, vous copiez. Donc, ce qui est mauvais, vous copiez. Au lieu de rester droit. Ah, comme un tel vol, on ne dit rien. Moi aussi, je veux voler. Donc, voilà la mentalité. Voilà la mentalité des intellectuels congolais. Oh, il était en train de voler, ben bika, moutke zonzave, mais moun aussi maintenant, ben moubik, moun labaro, ni mouge yidik boalia. C'est comme ça. Ça, c'est au haut sommet, on l'utilise là, ce que vous venez de faire là, le modèle que vous venez de donner là, le tribalisme là. Assumez-le alors. Assumez-le. Mais pourquoi vous avez viré mon tombe là? Dites-moi. Les Rian Zonzako, Yann Kamamabele, bon, Tabolo, les Pierre Moussala, ils ont pris même des jets privés pour se déplacer. Bon, bon, le Valangay, bon, le Rolakay, pour la ligne, oh oui, le conseil de ministre, bon, Keko a affirmé ma Kamamabele, Yann Kamamabele. Donc, Figaya qui est Beno, vous avez considéré que Figaya comme Yabino, et comme moi, Gato Nabino, bon, Salango, bon, Gardé Ango, bon, Tchabat Nabino, bon, Contrelango, bon, Yibabambangwan. En tout cas, restez éternellement pour moi. Moi, je vous le dis. Restez éternellement au pouvoir. Parce que tous ceux qui sont là, on croyait qu'on pouvait récupérer certaines personnes. Mais je vois que vous tous, vous plongez dans le tribalisme. Vous n'aimez pas ce pays. Vous êtes à l'image de Bongo Noara qui souhaite le malheur du Congo. Beno, oui. Mais vous n'êtes pas gentil. C'est-à-dire que moi, déco congolais patriote que je suis, je ne peux pas souhaiter le mal de mon pays. Je ne peux pas avoir les mêmes attitudes que si nous avons dit, il y a un bac à la pratique et tribalisme. Moi, ce que Binobo Zomo Latino, Makambo, le président de la République à Salaka, ma nomination à Salaka, Wana, et à l'tribalité. Sur le moment de la nomination, il y a tribalité, il y a la presse, il y a une raison, mais il y a un bac à la nomination tribale. Il y a un bac nomination tribale. Les gens, oh non, ça suit travail. Heureusement qu'ils travaillent avec tout le monde. Autant après 40 ans, 40 ans de pouvoir, moi, je ne vais pas placer les gens d'autres ethnies, mais c'est pour ça qu'il faut combattre ce tribalisme. Le tribalisme doit être combattu. D'où y a un monde à Osaka, ceux qui souhaiteraient, parce que la république changera, il y aura une autre république qui arrivera. Lorsqu'il y aura une nouvelle république, et cette république, et je l'appelle de mes voeux cette république, sera que le fils du Kwilu doit se épouser un enfant, il y a Nania, la fille, il y a la Bouenza, Bakebuta Mwana, Mwana Nkebaka Primi de la République, pas spécial. L'enfant du, et la fille du Nyari doit épouser un homme de la cuvette ouest, Mwana Baouin Kekouzoua Primi de la République. Ce n'est que comme ça qu'on va combattre le tribal. Parce que ces nominations-là, vous n'allez pas me dire que ce sont les meilleurs, Bamemen de Nomerwa. Tous ceux qui sont là, ce ne sont même pas les meilleurs. Ceux qui sont là, d'abord Yann Yaye, Branham, Bamemen là-bas, 1 milliard.
Ils ont volé 1 milliard. Ce sont les mêmes là qui les prennent là-bas, mais tout le bakoula. Branham, il y a un bandit président, déjà il y a Figa par intérim. Bah, mais parce que 1 milliard. 1 milliard pour là. Il faut pas mettre ça là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait des 1 milliard? Bah, mais ça l'est là. C'est pas ça qui a créé la guerre entre Mikolo, Napese et Yin Vanikuna. Mikolo met Dasuka 1 milliard, pas Bumba ya, Bam Bakaya, Bamé Basisia ou met Dasuka. Donc les gens comme ça, on reconduit les voleurs, les gens doivent mal gérer. Bon, depuis qu'on l'a mis là par intérim, ce monsieur-là, Branham et Kitombo là, mes amis Soun, il avait quoi? Il a fait quoi? Il a aidé qui? Mongan Sarai Kamesadia, Akao Kabalambong, on a basi les commerçants de Yoro là. Est-ce que c'était ça la mission? Dites-moi, Asalinin, Ata et Loko Mokofi. Bon le Banangay. Et celui-là, Rodrick Malanda Samba. Mais il est là pourquoi? C'est pour ça que je vous dis que ce pays qu'est la Bébane, ce n'est pas parce qu'il est compétent. Il n'est pas compétent, ce n'est pas un problème de compétence. Il est là parce que c'est un bras droit de Denis Christian Sassou Nguesso. Parce que tout le monde veut mettre la main sur le Figa. Bon, Mikel Takuna, pas qu'il a ce soir la trésor de guerre. Et c'est tout. Yaya la Rodrick Malanda Samba Ben Abutalaka Yaya. Peut-être Ben Aukalisa Katina. Oh non, bon. Yake Muntu, même vous avez la connotation de Malanda Samba là, mais ça c'est un pion de Denis Christian Sassou Nguesso. Je vous ai dit, hein, ma zone vous a sapé mieux. Boyo Kalé Naïf Sarabino Makambo Awa. L'un à l'obaki Nabino Boui. Oh, Moniawa. Il commence déjà à placer ces gens les uns après les autres. Et Sassou Nguesso le sait. Il faut le faire pour sa survie personnelle et que na héritage, Jean Kebik Nabanaya, il est en train de le préparer parce qu'il voit derrière. Comment la rancœur y quelle est, ma Congolais qu'un dimanche à Kakavé, et ça je peux vous le dire, Denis Sassou Nguesso, fort probable qu'il soit candidat en 2026. Je vous le dis, il sera candidat en 2026. Mais candidature à Denis Sassou en 2026, il n'y a que 24 mois façade. Et entre-temps, nous aurons un vice-président de la République qui s'appelle Denis Christian Sassou Nguesso. Et nous allons vivre ce que les Guinéens, les Équato-Guinéens qui n'ont pas pour vivre. Vous voyez, et Yadema, Obiang, Oyadama, il est toujours président, son fils est le vice-président, est-ce que vous voyez encore Obiang dehors? Il n'est plus là, parce que Sassou sait bien que non, l'âge qu'il a poussé, qu'il sera plus capable de faire certaines choses, il faut léguer le pouvoir, mais entre-temps, il sera toujours président de la République, à titre président de la République, jusqu'à nous foirer Kouisa. C'est le plan qui se prépare, mais comme il y a un boulou, vous comprenez, donc on est en train de préparer déjà la succession, l'arrivée de Kiki aux affaires. Même s'il n'est pas président de la République, c'est lui qui va gérer les affaires du pays avec le poste de vice-président de la République. C'est lui qui va faire. Ça sera comme le fils Obiang là qui gère. Bon, lui, il a encore des problèmes avec la justice. Il ne peut pas se promener comme il en a envie. Mais vraiment, les amis, c'est ce qui se décide. Et c'est pour ça que vous avez déjà Malanda Samba là. Et vous avez le nom là, Benatala. Puis là, ça vous flatte. C'est Denis Christian Sassou Nguesso qui est déjà derrière. Kuna, pour que vous ça. Ils ont fait semblant d'appeler un brice, va mettre tout le brice qu'on a pour calmer le compte de courbe. Mais ça ne me calme pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a que mon. C'est brice Makaya Kokolo, Yabenatalaba, on est originaire de la partie sud. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on va parler, les gens vont toujours me dire, mais Deco, regarde, non? Qu'est-ce que vous avez fait au Figa là-bas? Au Figa, qu'est-ce que vous avez fait? C'est comme ça les gens vont parler maintenant. Botani Nibosalikuna. Mais vous avez la même sonité. Dans les Nibosali équipe, par mon amour, tata sonité. Et mais tout ça, c'est l'œuvre de qui? D'Anatole Kouleye Makosso, premier ministre du Congo, qui est originaire du Sud. Il est du Sud, il n'est pas du Nord, ça on le sait. Benzabiave Makosso, il est Vili. Voilà, il est aussi du Poule, par alliance, parce qu'on a dit, pareil, que si Benessa mariage, vous devenez un. Donc, un in aussi, un aussi du Poule. Donc, 100% du Sud. Yanké Vetu, Yamen Lag, moi, Fioti, dans le Nord, il est 100% du Sud. Yandina, et c'est lui aussi. Yann, nous sommes placés à Bantabao, Benutal, attends, même Sonivé. Vous n'avez pas honte de présenter ce tableau-là aux Congolais. Et lorsque les Congolais voient ce tableau-là, bah, non, t'as la vraie tchad. Bah, n'y a pas ça conseil des ministres. N'ayez pas ça, la Camonine, bah, devine à conseil des ministres. Les Congolais attendent quand même les problèmes de la nation ou les problèmes sont là-bas passés. Bon, le babisso, bon, j'ai quelle décision qu'on a eu, quelle est-ce quand ma projet de loi, ma projet de loi, bah, ça, là, si ma nobi à la soula, qu'on va voir que ma Camus, oh, bah, j'ai encore ça, babisso, où en sommes-nous avec la Camus, là, oh, la caisse, assurance maladie universelle. Où en sommes-nous? N'a posé pas mon question. Botan la raquée, qu'on a la cache à conseil des ministres. Bah, quoi, vous savez, c'est encore un discours sur la famille. Vous ne trouvez pas que vous, ils prennent pour des idiots, ces gens-là. Je vais vous lire maintenant le compte rendu. Une bonne raison, ça. N'a pas point qui n'a pas intéressé. Peut-être que quoi, non, je vais vous lire ça, les amis. N'a pas attendu la binango, bon, mon a quand même.
faut pas tarder quand même parce que banta kena kusakana na beto avant que beto zonza mambo banani avec vous que tangile beto mambo banani ay moi que tangile beto mambo ya comment on appelle ça conseil des ministres il est où le compte rendu il est là baninga ngai le compte rendu oyobwe boyoka bien ils ont parlé de quel point 12 affaires étaient inscrites à son ordre du jour 1 projet de loi au titre du ministère des hydrocarbures toti kanani comment on appelle Itoa Bruno Tranquille. Bon, on va pas le laisser parce qu'il va nous perdre le temps. 4 projets. Kakaba projet que Vandik. Kakaba projet de décret. Bah, projet de loi. Kakaba Yimbake Salakuna. 4 projets de décret au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Ça m'intéresse. Ça intéresse les Congolais parce que ma zone va être aux amants, on va retraiter. Donc, Denis Sassou Nguesso vient de parler de problème des retraités. Donc, mettre état là, il va mettre aux amants, on va retraiter. Là, on va parler de ça. Il y a un autre point. Projet de décret au titre du ministère de l'énergie et des hydrocarbures et hydrauliques. Là aussi, ça nous intéresse parce qu'avec les températures caniculaires, il va Congolais qu'il va vivre au Boubiaï, il va mettre aux Kouna. Bon, au Toyoka. Il y avait un projet de décret du ministère du budget et des comptes publics. On s'en fiche parce qu'il y a un bon réseau Kotaka Ludovic Ngaché. Il n'y a pas ça qui est népotiste. Est-ce que de quoi on le va sous népotiste? Lui, il est tranquille. Il va dire, de côté, toi, tu la fermes parce que regarde de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut? Et tu veux que je fasse quoi? Voilà. Donc, il y a oui. Il Ludovic Ngaché. Il y avait à Salimoua décret d'ailleurs au titre du ministère du budget, des comptes publics et du portefeuille public. Et après, des nominations au titre du ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Bon, voilà maintenant. Alors que le ministère des petites et moyennes entreprises, on voulait qu'on puisse virer Madame Nicolo. Non, il y a que toujours. Et puis, réorganiser moi Figa. Madame Nicolo a besoin du Figa. Vous avez si. Bon, là, je crois que c'est la vengeance du Premier ministre. Le Premier ministre vient de prendre sa vengeance sur Madame Nicolo. Mais on attend encore. Ou soit c'est le Premier ministre qui doit démissionner, ou c'est Madame Nicolo qui est démissionnée. Madame Nicolo va être catholique, elle va être ambassadrice, ou mes exclusivité, la matinale. Ce qui va le relater. Là, je peux le dire, mais je vous donne déjà l'information. Madame Nicolo sort du gouvernement, elle sera nommée ambassadrice. J'ai le nom, j'ai même le pays, je ne peux pas vous donner pour le moment, parce que Mamboka du Canada est moi secret, mais tu gardes TTA. Alors, Baninga, compte rendu à Conseil des ministres, au Basali Aou. Et s'il n'y a pas eu un problème ou bien des mesures prises pour le peuple congolais. Il n'y a rien sur le coût de la vie. Il n'y a rien. Bah, passe la bise. Attends, qui me fait? Quand il y a un projet de loi. Écoutez, projet de décret. C'est tout. Un gouvernement qui ne travaille que le projet de décret. Quand il y a ça là, et des nominations. Et ça s'arrête là. Nomination, il y a qui, parce que ce cas partagé, Kwambo. Maintenant, nous allons nous intéresser à M. Yaï de la fonction publique. Qu'est-ce qu'il a dit? Bête Kwenda. Ah, moi, ça, j'aime bien. Bête Kwenda. Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Le défaut chez nous, les Congolais, nous ne lisons pas. Bête Tanga V, on est trop pressés. Hier, là, on nous a balancé les trucs sur le Figa et puis on est resté concentré que sur le Figa alors qu'il y a des choses plus importantes. Il y a voilà, il faut mettre Zosa. C'est vrai, il y a le tribalisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi que membre du tribalisme bandit. Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole. Monsieur affirmé à ISA, inutile à respecter la grade à Yandi, par relation à la présidente de la République, pour imaginer le tribalisme et puis le népotisme. Hein. Bon, voilà. Ministre d'État, ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale, avant de présenter les affaires inscrites à l'ordre du jour au titre de son département, a informé le Conseil des ministres du fait que des membres du Conseil d'administration de la Caisse d'assurance maladie universelle Camus ont désormais été désignés par les organes et administrations compétents pour ce faire. Ainsi, les autres organes et dirigeants, directeur général en particulier, seront désignés sous peu par le Conseil des ministres afin de rendre la Camus totalement opérationnelle. Voyons qui est. Donc, ça veut dire quoi? La Camus, depuis Kala. Organe on a existé qui était, bah, par contre, prélevé par ton bongo, tu ne l'as prélevé que par ton bongo, quelque chose qui n'existe pas. Cette caisse n'existait pas. Kakakoumou ya pa, bah, vanina yandi, boum, ya, bah, mes osa, bah, me créer, il m'a fait bokilaka,
conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie universelle. Et il y a même ça, il y a même Mani Safé. Au lieu qu'elles allaient opérationner, il y a un année opérationnel. Cela veut dire que Mbongo, il y a un an, 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 vous allez enregistrer, et comme vous savez, il y a un soin, il y a un soin gratuit, ou bien il y a un soin remboursé. Mais Mbongo, il y a un remboursé, il y a un soin, il y a un soin, il y a un soin. Donc, Mbongwana, ça a servi à mettre en place. Donc, maintenant, va me nommer déjà, va Daniya, comment on appelle ça, le conseil d'administration. Mais maintenant, le conseil d'administration, c'est possible avec eux, tout c'est possible. Par exemple, ça va avoir un salaire, Mbongo, alors que qu'est-ce que ça va exister, qu'était. Donc, va nommer que non, le directeur général, va qu'on nommer sous peu. Donc, jusque-là, ils n'avaient jamais pensé que non, ils ont créé une caisse, il faut nommer un directeur général, va s'abver, mais après, conseil d'administration, va mettre tout lié à organe. Organe, par les organes, va mes onze, va me nommer qui. Non, il faut bien lire. Du fait que les membres du conseil d'administration de la caisse, voilà, ont été désignés. Donc, les membres sont déjà désignés. Donc, bah, tu vas me nommer, bah, ou déjà, la conseil d'administration. Mais, la Camille qui était TV, a devenu un directeur général, mais on devait d'abord nommer le directeur général avant le conseil d'administration. Voyez, et sous peu, qu'est-ce qui empêche que le directeur général nommé à passer, bah, ça va venir avec tout là. Il faut mettre un moto, au bas, on va maîtriser, il faut mettre un yaka noki noki, c'est pour cela, ça bute. Alors, si, bah, ça vient à buter, donc, on va penser quoi, bah, on va une idée. Mais, vous êtes dans un pays, le Congo Brazzaville. Monsieur Dekoya Mukelawa, président de la République, je peux vous donner aujourd'hui mon premier ministre. Ça dit que là, je suis là, je peux vous donner mon premier ministre. Je peux vous donner aujourd'hui, je peux vous donner la composition de mon gouvernement. Donc, ça veut dire que il faut être prêt pour diriger un pays. On ne fait pas les choses à la va-vite. Quand la pression avait tout, les réseaux sociaux parlent de la Camus par ce jeune frère talentueux, mais malheureusement, que ça l'a maillé, là, il y a levé, chez vers le foulou, il y avait tout le monde pressé à la Camus. Dans la précipitation, il a poussé tout un gouvernement à l'erreur. Tout un gouvernement à l'erreur. Il a poussé tout un gouvernement à l'erreur. Le gouvernement est parti à la faute, et la faute, il y avait mes talents, pas mes coins de la précipitation. Oh, peut-être ça, puis bien, pas commencer ça. Il commence à ajuster les choses. Mais on, parce qu'on les a poussés à la faute. Mais aujourd'hui, ces gens ne sont pas préparés. Pourquoi se précipiter à d'avancer les choses que vous ne maîtrisez même pas? Aujourd'hui, là, Deco, président de la République, je vous donne, à 2 heures après, le nom du premier ministre, si vous êtes désigné, il va faire l'unanimité et qui ne sera pas contredit par ses compétences. Et je vous donnerai un gouvernement, il mène à Boutala, qui appelle ce bouche B, parce qu'il y a des compétences au Congo. Il y a quelle? Je dis au Congo, ça dit que les Congolais, pas bah, vendre dans la boîte là, à l'étranger, bah, quelle est. Mais aujourd'hui, au Congo, on ne sait même pas, là, ils demandent, ils n'ont même pas le nom du directeur général. Bah, ça va venir avec tout le coup là. Parce que pour remettre là-bas, il y a l'argent, il faut gérer la personne là, personne, quelqu'un de sûr, bah, pour une salle. Il y a les Kandingwana, il y a Kandoki Noki. Parce que ma mère, elle fait ça, une vraie colère. Vrai colère qui fait ça monde. Donc moi je sais pas ces gens là comment ils travaillent. Bon moi ma mission est comment on apprend à calmer puisque dans le bac ma caméra Camus. Entrant dans la présentation des affaires soumises à l'examen du conseil, le ministre d'État et ça les organes a présenté 4 projets de texte. Le premier d'entre eux est un projet de décret fixant les modalités de reversement des cotisations sociales à la caisse d'assurance maladie universelle. Bon finalement. Vous voyez, bon, il faut mouvoir. Parce que là, ça commence un peu à m'énerver. Vraiment, les amis, ça commence un peu à m'énerver. Mouvante. Nous sommes dans un gouvernement, voilà. Vous voyez, les amis, lisez. Il faut mettre en garde. Hein? C'est dit par les écrits, on va les confondre, ces gens-là. Excusez-moi. On va confondre ces gens-là. Il faut mettre en garde. On va lire, les amis. Vous voyez que le gouvernement de la République Sakana Nabeto. Regardez au Conseil des ministres. Entrant dans la présentation des affaires soumises à l'examen du Conseil, le ministre d'État AESA, les organes, a présenté 4 projets de texte. Le premier d'entre eux est un projet de décret fixant les modalités de reversement des cotisations sociales à la caisse d'assurance maladie universelle. Mais bon sang. Mais il y a un bon qui est dans ma fiche de paie, à ma banque, il y a qui est qui veut les amis sur mon. Bon, les amis, si vous donc, sur quelle base aujourd'hui? Donc, il n'y a même pas une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Personne ne sait. Mais parce que on a Bantu pour que Bantu va couper. Mais les amis, si vous maintenant, les amis, si vous donc, là, on est en train d'interroger l'État.
États au Yiba Kama Congolais Mbongo, ma Congolais m'habitait pas Mbongo Keneke. Et aujourd'hui, c'est hier. Le 20 mars 2024. Alors que Mbongo s'est abandonné au prélèvement de la Congolais depuis 2 ans. Bah, j'aurai Mbongo à la Congolais. Si mon collègue le, ils ne savent même pas, ouais, ma condition, ma salaka, ma cotisation, ma salaka kuna. Donc, bah, tout ça va vivre. Il n'y a aucune loi qui existe pendant 2 ans. Mais on prélève l'argent. Expliquez-moi pourquoi. Non, mais expliquez-moi. Bon, Mbongo yina, ben, les habits, c'est mon Mbongo yina, ben, les bakaka dans la Congolais. Et bâti, et comme personne qui a 11 000 basses en avant. Alors, ma pèse, ça va t'attendre pas. Au contraire, ma soutien, moi, ma salaire maigre, 50 000 au peuple, ça va 60 000. Bon, on a les sous-mon à Camille. Parce que là, en fait, la loi n'existait pas. On va vous envoyer vos amis. Vous êtes des voleurs, un gouvernement voleur. Un État voleur, gouvernement voleur. Est-ce qu'il y a qui? Wapiyaou. Donc, quoi, Fosso? Donc, ils sont hors la loi. Et bah, pas que Zagbaka, Bantu Mbongo, Kaka Fosso, il a atteint Motomoka à Yébité. Eh oui, oui, ça, c'est vraiment les maux de tête aujourd'hui qu'il faut avoir aujourd'hui, parce que les gens là m'énervent. Non, vous savez, ils mettent tous dans les conseils des ministres. Et je peux vous dire qu'il faut lire les choses, parce que pensez, ma collègue est aggravée. On vous a embrouillé là, tout le monde était parti. Oh, les nominations tribales et tout ça là. Et ça fait les choux. Alors qu'il y a des vrais sujets, y'a où y'a y? Bah, tout le coup là. Il y a même ya Ayesayaï. Ben mais quoi, il y a eu Amezoza. Donc Amezoza décret fixant les modalités de reversement des cotisations sociales à la caisse d'assurance maladie universelle. Donc l'argent qu'on verse là-bas, je ne sais pas où ma modalité bac ban ça là qu'on a tam bazab. Donc ni quoi que fixer. Mais on va vous joindre Botswana et Yanni. Pris en application de l'article 5 de la loi du 17 mai 2023 portant création de la caisse d'assurance universelle. Le texte fixe les dispositions concernant le reversement des cotisations des employeurs, des employés, des étudiants, des personnes vulnérables, des travailleurs indépendants et des professions libérales. Le, bon, ben, vous avez, il y a combien? Bon, vous avez combien qu'on a la compte qu'on a? Parce qu'on ne peut pas qu'on soit bon, donc on suppose que vous êtes bon, bah, gros, parce qu'à partir de maintenant, vous reversez en repère à Congolais. Il y a les wapi. Les travailleurs indépendants et des professions libérales. T'as la vraie, ça veut dire que je sais pas, c'est du copie-coller. Les travailleurs indépendants, la couronne, banane. Ma profession libérale, ni banane. Ben, les amis, c'est bien. Et il parle même des étudiants. Les étudiants, vous êtes incapables de donner la bourse, la bourse, la bourse. Venez, ça, avec la bourse. Vous allez leur reverser, ma bon, là-bas, où il y a cotisation, là. Mais peut-être, ma babousse, ben, quelque chose, ça. Cotisation des employeurs. Mais regardez, cotisation des employeurs. Les gars, ils payent déjà, hein, je peux vous dire. Des employés donnent déjà. Donc, après examen, et du, ben oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le projet subordonne le versement des cotisations à une déclaration nominative des cotisations 10 jours avant leur exigibilité. Les reversements de cotisations à la caisse d'assurance maladie universelle se font par virement bancaire automatique. Donc, vous êtes dans un pays où rien n'est bancarisé, par raison virement bancaire automatique, par chèque ou par transfert électronique, sous peine d'une pénalité de 3% du montant dû en cas de retard. Ah, Basnaïna, Pamekouma, qu'est-ce qu'il en est? Au contraire, lorsque vous ne payez pas les dettes, une dette à Batobo, vous foutez à Garoté, vous n'avez pas la CCA. C'est comme la CCA, vous le bibo l'ongola encore, vous salit des côtes, vous l'ongoli batombongo, alors que Bino, l'État est incapable de payer les dettes des gens. Incapable. Bon, on a nyo, on l'a foutaillon, azo foutaillote. Après ça, ça n'y a tignan la CCA. La caisse qu'on a d'amortissement. Qu'on a commis dette intérieure. La dette intérieure, qu'on a voqué, qu'on a la salle, qu'on a décote. La décote, ça dit, bah, l'euro, il encore en bon. Mais, ah, ouais, l'État, zone, va se rejouer retard, va pêcher pénalité à 3%. Donc, yo se rejouer retard, yo citoyen, ou bien employeur, ni n'y a pas, parce qu'on pêche ailleurs, ni n'y a pas, il y a 3%, il y a montant en cas de retard. Bon, t'as, bah, pénalité, yango. Donc, bah, pêche, la possibilité, n'y a ni pour virer, bah, mon bon, tout ça, là, yango, ya, ouais. 3% du montant dû en cas de retard. Mais naïn va me gouzoir. Alors que ceux qui bango banan n'y pas la foutre ailleurs, ça dit que c'est l'injustice, un jurisme que Zonzaka. Pourquoi vous ne traînez pas ces gens-là devant les tribunaux? Pourquoi vous ne traînez pas ces gens-là devant les tribunaux? Et association des consommateurs, pourquoi bino vous traînez que bateau t'es? Alors parce qu'avec rien que ça, on peut traîner ces gens-là devant les tribunaux. Parce que lorsqu'il s'agit na bambongo, oh, bango azo defaka, bango kuna bango encore bango. Mais ce n'est comme une yongoyo, peut-être ça va avoir l'État, on va prendre la pénalité. Après examen, discussion, le Conseil des ministres a adopté. Mais est-ce que vous avez déjà vu que non?
après examen de discussion, le Conseil des ministres a rejeté. Rien. Pas aux tout. Après examen de discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les modalités de reversement des cotisations sociales. Ça dit Bantoua et Sabaka, Beton Djewaba, Zoubaba. Le deuxième texte présenté était un projet de décret fixant les modalités d'affiliation et d'immatriculation des assurés sociaux au régime. Oh là là, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire, va me créer caisse. Va me créer caisse. Va commencer par Mbongo. Va bimiller à ta qui me motive ma numéro. Va arriver d'immatriculation et va assurer sociaux au régime d'assurance maladie universelle. J'attends toujours voir. Ou à Fosso Baké Saléa. Baninga, Boyoka. Pris en application l'article 9 de la loi 37/2014-24 instituant le régime d'assurance maladie. Donc, depuis 2014, Yabanda Mambouine. Le régime d'assurance maladie universelle tel que modifié et complété en 2023, du 10 mai 2023, le projet fait obligation à toute personne physique de nationalité congolaise et résidant au Congo de s'affilier au régime d'assurance maladie universelle et à tout employeur d'immatriculer son entreprise ou son établissement à la même caisse. Il permet aussi aux étrangers résidant régulièrement au Congo la possibilité d'adhérer à ce régime. Donc, bon, voilà. Donc, c'est là, à partir d'aujourd'hui, Maniga Alouine Abino pose là. J'espère qu'ils ont voté la loi. Ou bien, il y a qu'un décret. Décret, donc, il suffit qu'il va signer. Ce n'est pas forcément, il y a l'outil dans le conseil des meilleurs, dans le parlement. Cette affiliation donne le droit à chaque assuré de bénéficier d'un numéro matricule et d'une carte d'adhérent. Bien que vienne le numéro matricule, bien que vienne la carte d'adhérent, le changement de la situation juridique ou la perte de la carte d'assuré doivent être notifiés et signalés à la caisse dans les délais prévus par le décret. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les modalités d'affiliation. Poursuivant son propos, le ministre d'État Ayessa, peut-être dans un peut-être même va retraiter, il va dire qu'il a peut-être signé à Baninga Boyoka. Poursuivant son propos, le ministre d'État Ayessa a soumis aux membres du gouvernement un projet de décret fixant le taux et montant de cotisation pour chaque catégorie d'assurés au régime d'assurance maladie universelle. Les catégories fixées sont notamment les employeurs publics. Mais Bagay Baka déjà bon gros. Mais y'a il va bien la Baka. C'est sur quelle base à l'époque vous prenez l'argent? Ben Zabi Smetiao. Donc il n'y avait pas de décret, il n'y avait pas de loi qui me va arriver. Les employeurs publics et privés, 4,55% de la masse salariale brute. Les employés publics et privés, 2,27% du salaire brut. Bagay Baka ben la bon ben ba long la bino 2,27% la bamba on a bino bozoaka na salaire brut ya Congo et ali boni est-ce que ça même le salaire brut c'est combien et le net c'est combien? Nous on sait même pas. Celui qui gagne bisoto yebi bo bato zoaka, ceux qui gagnent 50 000 le salaire brut na bino ya boni, vous appliquez la TVA à combien là-bas? Parce que lorsque vous nous dites là brut, là bon brut net yali boni ba zoa mon a brut hein. Bah, bah, quand même pas na net, même pas qu'il y a na brut. Na brut, y'a que yiki. Ça dit, si quelqu'un gagne que 100 000, vous avez, bah, base à bas, brut, na net, y'a que combien? Si on gagne que 100 000, bon, y'a qu'à bien, vous gagnez que 100 000. Na, quand y'a 100 000, wana, ce qui y'a les brut, bah, t'as un salaire net, bah, le rôle, y'a, bah, charge. Ce qui t'est 20 ans, la quatre, on a moins 20, puis ça, y'a moins 22, ou 21, donc, moins 22%, ou y'a ni salaire net, bah, fout à ganga, y'a une dingue. Bon, à quoi qu'on a évité. Donc, si on gagne que 100 000, tu as rendu qu'à 20%, par le rôle à 80 000. Au lieu de 2%, 2,27, na 80 000, on a été. Bah, qu'est-ce qu'on a 100 000? Na 100 000, à brut, on a aux oies. C'est-à-dire au-dessus. C'est-à-dire que vous allez avoir au mille. Parce que 80 000, si on a eu 2%, et qu'on a moins que ceux qui vont jouer à 100 000. Bah, on va avoir aux oies, on a 100 000. Des voleurs comme ça. Et en plus, les sociétés vont même fermer. Les employeurs publics et privés, 4, ça dit pratiquement 5%. La masse salariale, ça dit que ma salaire brut, ça dit que ceux qui montent dans la société, mais moi, je n'ai pas créé d'entreprise au Congo, ça ne sert même plus. Ça dit qu'au Congo, si on a masse salariale, il y a 500 000, au pire, 500%. Non, 5%, et pas la bango. On a masse salariale brute, même pas nette, brute. Ni qu'on avait quoi de la bango, des voleurs comme ça. Les titulaires des pensions. Bon, Ben Zabi Simoun, ben tout quel est, ben retraité. Les retraités, ils ont travaillé. Ils ont cotisé durant toute leur vie. Ben me la demandez, ben où? Les titulaires de pensions, 2,27% des pensions VS et ou d'invalidité. Les étudiants, forfait en noël, je sais pas. Non. Expliquez-moi, je sais pas trop. Peut-être, n'a pas comprendre en beauté.
peut-être ngam tonazo comprendre ngote oyo mbongo bako verser et pa ya bateau ou bien bateau pa sa on à l'état. Poursuivant son propos, le ministre d'État a assumé aux membres du conseil un projet de décret fixant le taux et les montants de cotisation. Il y a que cotiser, donc pas que cotiser, ça tu vas que reverser, pas de versement, il pas de cotisation pour chaque catégorie d'assurés au régime d'assurance maladie universelle. Les étudiants, vous devez payer maintenant 11 764 francs CFA par mois. Les personnes vulnérables, forfait de 3 500. Vous êtes malades. Bon, voyez-moi, ces gens-là, ce sont des malades. La partie haute, oui, puisque toi, tu dois défendre le gouvernement, c'est normal. Bon, t'as là maintenant. Balobina Bissot, les parties vulnérables, les personnes vulnérables. C'est-à-dire même Babola Bobalambongote. Mais pourquoi on les appelle pas personnes vulnérables? En dictionnaire. Mettez quoi à Google. Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mettez quoi à Google. Boubia, mettez quoi à Google. Mettez quoi. Personne vulnérable. Mais c'est pas possible. Personne vulnérable. Personne vulnérable. Mettez quoi à, ça veut dire quoi? Ah! Personne adulte vulnérable, que fait la personne? C'est quoi une personne vulnérable? Une personne de définition. Alors, personne en situation de faiblesse physique ou psychique. Mais vous voyez que la définition, il n'y a personne vulnérable. Même les fous. Vous devez payer 3 000 et quelques. Grossesse, maladie, handicap, VS, etc. Que la loi protège des abus commis à son encontre, notamment en matière pénale ou sociale. Alors, les personnes vulnérables devaient être protégées, mais la Congo, Balobi, Bangowana, il faut au contraire, Bangoba, Basala, Nino, oui. Mais attendez, mais quand même, le Congo, moi, je ne comprends plus rien. Le Congo, là, on comprend le sous-binotin, moi, je ne vous comprends plus. Attendez, définition. Personne, oh, mais j'ai demandé, là, j'ai tapé, là, il m'a sorti un bon truc. Personne vulnérable en droit, vous qui faites le droit là, hein, personne vulnérable en droit, ça veut dire ceci, personne en situation de faiblesse physique ou psychique, grossesse, maladie, handicap, VS, etc., que la loi protège des abus commis à son encontre, notamment en matière pénale ou sociale. Bon, elle est où la solidarité? Elle est où la solidarité, les amis? Balobi Batoala, bon, parce que bon, wapi les personnes vulnérables, moi je ne sais pas, celui qui a un handicap ne peut pas travailler, wapi bon, que Pessayal, pour qu'un puis Pessayal, 3529, c'est encore s'inscrit pour bénéficier des soins, moi je ne sais pas, mais est-ce que Benatala a été normal? Il y a qu'il est en Noël, je pense ou pas? Parce que chez les étudiants, on a précisé, étudiants font faire en Noël, étudiants, les jeunes étudiants, vous qui percevez la bourse, là, les étudiants, là, donc pour bénéficier de la Kami Benakouaka, vous devez payer par année 11 764 francs CFA. Bon, fond, là, bateau, il y a bino, bon, il y a bien, bino, bah, étudiant. Peut-être, bon, quand même, bino, bah, on peut s'abino, bon, aux annotés. Les personnes vulnérables. Encore étudiants, je peux croire que les étudiants, bah, auront moins bourse. Mais, quand tu as bourse, n'a pas moins là, bah, comme l'ongo, l'ango. Si c'est divisé par, ça fait 1 000 et quelques, hein. Bah, que verser que 1 000 et quelques, 1 000 francs. Ça dit même bino, bah, étudiant. N'a pas bourse, n'a bino, ana. Il faut pas verser que 1 000 francs par mois, 1 000 francs par mois. Parce que 11 000 est allé l'année. Donc, on a rendu à 12 000. Donc, 1 000 francs versés par mois na, la caisse ya, et la Camus au Babing. Les personnes vulnérables, forfait en Noël, voilà, par année, 3 529. Les gens sont vulnérables. Parce que ce sont les personnes vulnérables. Ah, mais il y a pas de raison. Il faut tout le temps. Hein? Botangaka, mais oui, même les retraités, il faut totangaka. Voilà, tu vois, quoi, ma kamana bango. Alors, ben, tu quoi, là? Écoutez maintenant ce que Thierry Mungala nous dit. Je renvoie les compatriotes désireux de voir à quel niveau se situe le taux de cotisation applicable selon leur catégorie d'assurés à la lecture du décret, à la publication du texte au journal officiel ou à se rapprocher le moment venu des services de la CAM. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les taux et montants de cotisation pour chaque catégorie d'assurés au régime d'assurance maladie universelle. Bon, maintenant, Botali, maintenant. Enfin, le ministre d'État a présenté un projet de décret fixant les conditions d'ouverture, de maintien, de liquidation, de la suspension, de la fermeture et du droit aux prestations.
Donc, même, il y a quoi, parce que carrière, bah, tout là-bas, d'accord, parce que ce que vous t'as quand même, bah, nous, ou bien suspension, bah, qu'on l'a, suspension définie. Bon, bah, sur la zone, ça m'a voté. Pris en application. Voilà. Le projet de décret détermine les conditions d'ouverture, de maintien, de liquidation, de suspension et de fermeture du droit au prestataire pour l'assuré social. À cet égard, deux conditions sont nécessaires. L'affiliation au régime, la régularité de paiement des cotisations sociales. On a, bah, commis qu'on l'aura. Il faut vous foutre à quatre, faut vous foutre les années, voilà. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet. Bon, Badinga, aujourd'hui, on va parler seulement d'Aïssa, parce que c'est peut-être abordé, bah, moi, quand quelqu'un peut se mettre en colère. Bon, moi, je suis comme Aïssa, Aïssa, où tu es tout le monde, là, c'est-à-dire que, bah, mi yibi. Les gouvernements, là, bah, qui est vraiment voleur. Mais pourquoi ne pas faire un régime de la solidarité? Hein? Ceux qui ont des gros salaires, les ministres, là. Pourquoi, eux, on prélève, pas, bah, qui prélève, qui va, bon, mauvais. Maninga bango tout bilan qu'on va salaire bango va prélever bango ta pata mon côté parce que bango va prélever bango quel salaire parce que on est à indemnité ba 10 millions 12 millions 15 millions ça ca indemnité na bango et ça va salaire na bango té donc bango on va ko toucher à côté il y a le cas salaire le cola couliner ma coso il gagne 20 25 millions personne ne dit la vérité il est incapable de nous donner le montant combien il gagne tu gagnes combien en attendant que tu gagnes combien en tant que premier ministre combien que tu gagnes sans oublier la caisse noire ou bien ma fonds de fonctionnement dis-nous en attendant que ma conso tu gagnes combien indemnité il va payer en tant que premier ministre donc connais ma conso qui a des indemnités imaginons 40 millions voilà tout le baron de moi 40 millions ce qu'il faut il y a qu'on le veuille fou ce qu'il faut il y a qu'on le veuille absolument faux puis absolument vrai montant 40 millions en attendant connais ma conso que vous soyez 40 millions dans la 40 millions, il n'a pas qu'à taxer, il n'a pas ta mosibé. On va le taxer parce qu'il est enseignant à l'université Marien, où vous avez 5 maîtres assistants, si il y a un qui kuna, kuna qui gagne peut-être même 2 millions, dans 2 millions, il y a un qui cotisé. Mais sur les 40 millions à cotiser, kata, il y a un moyibité. On a moyibité, il y a moyibi. Bah, mais sous ce bain, un gouvernement, bah, ça, t'as la titre, mon salaté. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie, bah, tchaka, bah, moi, ministre, bah, banda newan. Donc, bah, moi, va cotiser à ta patte à mon côté. Il peut pas considérer. Naïvité. Ils seront considérés comme les personnes vulnérables. Bah, oui, na. Bah, que venant emploi. Ils n'ont pas d'emploi, ce sont des chômeurs. Et les chômeurs payent combien? Bah, mais tu veux. Ils n'ont pas 10 000 les chômeurs. Bah, autant, on a dit, on va le venir. Les chômeurs. Bah, chômeurs, combien, bah, que paye ça, qu'on a, bah, chômeurs. On n'a pas entendu parler des chômeurs. Vous avez lu quelque part? Hein, les conditions, on a dit, bah, chômeur, ouais, combien va répéter ma chômeur? Bah, chômeur va appeler sa boni, bon, le banangaï, parce que peut-être, bino, yébi, en gana yébité. Bah, chômeur va reverser combien va chômeur? Poursuivant, le ministre d'État a dit, les employeurs publics et privés, employeurs, que fouta, les employés, bah, que fouta, les titulaires de pension, bah, que fouta, les étudiants vont payer, les personnes vulnérables ne peuvent, elles vont aussi payer. Mais les chômeurs, on n'a pas précisé les chômeurs. Vous voyez, dans un état où les jeunes, ils savent même pas que non, il y a des chômeurs dans un état. Ils nous ont même pas précisé que vont faire les chômeurs. Voilà, les chômeurs, va rester à la fosse. Les chômeurs, ni banal, va chômeur, ni banal, va chômeur, que foutre, que foutre. Parce que bon, va chômeur, va foutre, va foutre, va foutre à te. Bon, le banangaï. Va chômeur, va foutre à te, va foutre à te. Bon, le banangaï. Bon, moi, déjà, discrimination, il y a pas que ça là. Donc, vous voyez, vous êtes dans un pays où le premier ministre qui gagne peut-être 40 millions ne cotise pas sur les 40 millions, et en quelque sorte, parce que non seulement qu'il est ministre, il perçoit l'argent des indemnités en tant que député de la République, parce que même tout suppléant à Yandi, suppléant là ne touche pas l'argent, c'est lui qui touche l'argent, c'est lui qui paye au suppléant. En répétant, moi, bah, forfait, puisque le suppléant là, il a un cabinet là-bas, donc en répétant, moi, bon, donc il récupère l'argent, il n'a qu'on n'a pas refoutable, et les députés. Et maintenant, les députés, là-bas, qui n'a qu'un spécial, ou à face, ou à ça. Mais c'est ça le problème. Les députés, les ministres, là, on nous a pas précisé. Baba, vous soyez de foutre, les députés, là. Parce qu'il y a des gens qui sont députés, ils n'ont rien dans leur vie, ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Moussa, n'a pas député, baba, conseiller. Bangoua, là, baba, salaire, t'es, baba, n'a pas indemnité. Bon, bako, verser, n'ingénie, le compte à sécurité sociale. Donc, Moussa, ni. Bon, Moussa, encore un deuxième conseil des ministres. Lorsque je dis que ce sont les gens de la maternelle, ils sont pas préparés, ils n'ont pas prévu aspect, il y a pas député, les sénateurs, là. Vous allez les considérer comme quoi? Les personnes vulnérables ou comment? Parce que ce sont des vieux, des chômeurs. Ils sont là-bas. Les retraités qui sont là-bas. Les retraités du Parti Congolais du Travail, ils sont là-bas. Et ils ont tous un handicap. Qui n'a pas un handicap après 50 ans? 60 ans. Ils ont des handicaps là-bas. Bah oui, bah, qu'est-ce qu'on handicapé, Kuna? Bah oui, bah, qu'est-ce qu'on fout à combien? Zabi Simoun. Oh, mais vraiment. Vous avez 3 000 et quelques, c'est ça? C'est ça? Hein? Oh,
Mais vraiment, moi, je ne sais pas. Le pays, là, vraiment, est dirigé par des totos. Il y avait vraiment totos. Maintenant, là, le travail est bâclé. Le travail mal fait. Un ministre d'État. Banza Bonkoumbou Nene, ministre d'État. Vous savez, c'est là, dit ministre d'État. Vous. Ministre d'État. Hein? Des totos comme ça, là. Après, vous allez dire, oh, Deco, tu es un solo. Comment un solo? Et les gens comme ça qui travaillent même pas, ils ont des cabinets. Ils paient des gens à coups de millions, de milliards, vous avez fait. Ils sont incapables de produire un travail bien fait, des travail incomplet. On sait même pas. Tout est approximatif. Ils sont approximatifs. On sait même pas. On se pose même des questions. Bon, ce qui concerne les chômeurs, on sait même que ça. N'a pas chômeur. Parce que les étudiants même est assez bas. Les personnes vulnérables. C'est-à-dire les personnes, les hommes, les personnes vulnérables, banane. Est-ce que ça, même le mot vulnérable, ça veut dire quoi? C'est pour ça, moi, j'ai lu la définition ici, là. Même en droit, j'ai lu la définition. Il y a vulnérable, il y a qu'Iki. Ah! Bon, ils ont les statistiques ou comment ils vont savoir que ce monsieur-là est vulnérable, n'est-ce qu'un versé ou à face au. Mais c'est pas possible. Il faut aller t'inscrire. Moi, je vais aller m'inscrire. Je crois que c'est ce que je vais faire. Les Congolais, Nalomine Abino, voilà un peu Sabino, astuce. Oh, bah, toi, ça, la poto. Je vais vous donner l'astuce. Ah, bah, Mdem, toi, ça, la poto. Chers Congolais, Naïbis Nabino, ce que vous devez faire. Vous devez aller voir des médecins. Boyo kangai, même si vous salaka. Boyo kangai. N'a pas si bino va idée wan. Parce que, oh, oui, bango kon bango, au salak pangai, bisoto sa pe pangai. N'a pas si bino idée. Ben, qu'on nous tente la médecin. Médecin pour examiner bino. Il faut médecin à qualifier yo. À reconnaître yo, aux alliés handicapés. Aux alliés handicapés, n'engenil. Kene ko salak bouzoba devant médecin. À qu'on le bayon ma kambo soit incohérent devant lui. Oh là, qui s'est le bayo, oui, ça l'en dit que moi, yéza. Ça l'a gué yao. Y'a que basis n'gué papi. Ah, bah, m'gué le que ça l'a yao pour s'inscrire à la cotorep. À la cotorep, c'est réservé pour des personnes handicapées. Tu vois? Oui, ils ont leur. Et qu'est-ce qu'on a qu'à aider que bah, y'a un corps réservé pour ça. Les personnes vulnérables, les handicapés. Donc, comme la mission en Congo, qu'on a bah, vous qui signons surtout qu'on a qu'à la camu, qu'on a bah, tu qu'on a, bino wa kende. Bon, kende qu'on a, médecin, puisque j'imagine, lorsque vous allez vous inscrire à la caisse d'assurance maladie universelle, au copé sa titre d'ailleurs, nazali employeur, nazali employé, nazali étudiant, nazali chômeur, nazali boui. Donc, bino, ok, neko luka papier, oyo boué médecin pour examiner yo, a pour déclarer yo handicapé, au salon comme yéza, non, je comprends pas, enfin, non, oh, c'est qu'à n'importe comment. Va poser ma question, puis à la réponse, et y'a nanzelate. Voilà, y'a nanzelate. Papé, ça y'a papier. Bino, tout bon que ne s'inscrit qu'on a des personnes vulnérables. Voilà. Parce que, la crise là-bas, qu'elle a bouzoba, les bagues salamou, la crise là-bouzoba, ben, qu'elle a beno. Bon, voilà. Donc, bino, bon, qu'elle est qu'on a, bon, qu'elle est qu'on a, la nino, oui, bon, qu'on a ça, là, qui bouzoba. Bino, non, surtout, vous vous présentez chez les médecins, vous, pour la crise papier, papier, la bino, bon, le vichingaï, n'a qu'on a la gaille sous souté, n'a zo monaka, batomoko, bako tambola, oui, là, je vois, oh, il y a quelqu'un là, oh, qui me cherche, voilà, bon, ça, la gagne, voilà. Bah, on considère, yé, au bout, y'a combien d'années, au bout, oui, voilà. Y'en dit, y'en que personne vulnérable, on dit, moutou, n'aïe, ça, la carte, bien, t'es, bah, tu as personne vulnérable. Bon, on fout à 3000 et quelques par année, au profité d'un mort. Bon, voilà, oui, c'est un conseil. Quel conseil est digne? N'importe quoi, qu'à la soie. Il faut pas jouer avec les gens. Lorsque ce que vous êtes en train de faire, là, vous trouvez pas ça indigne. Et ce que vous êtes en train de faire, lorsque vous faites des choses dans l'approximation, pas de sérieux dans ce que vous faites. Mais ici, les blancs, ils font ça. Même dire là, que ça l'a caillou. Ben, vous avez. Même dire que ça l'a caillou. Mais quand, bah, on va avoir un zoro, bah, salon. Mais les gens vont le faire. Vous allez voir, bah, vos salaros. Et bon, ça, la seconde. Tout Congolais est vulnérable. Tout Congolais, mon collègue, le seul moment, bah, on va examiner, bah, tout, bah, on va ça, la tête. Comme car, la soie, là, il n'est plus net, celui-là. Donc, lui-là, il faut l'examiner. Vous allez le voir, et ma camarade, on le verra sous cohérente. Donc, lui-là, personne vulnérable. Hein, la majorité, 98% des Congolais sont des personnes vulnérables. 98%. Voilà, c'est Ben Zabayavé. Hein? Oui, ah, Nandimiango, escroc, et Rouen. Nandimiango, la côté, on a pouvé m'appeler escroc, Nandimiango. Donc, 98%. Non, moi, j'ai une dignité. Moi, je préfère aller travailler, gagner mon argent dignement. Mais comme la Congo, qu'on a qui sale ou que levé, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ça, on va demander aux Congolais, pas quoi, ça là, bah, ça dit, vous, oh, bah, oui, bah, mais ça là, il a. Parce qu'aujourd'hui, on trouve que non, ces gens-là, ils sont pas responsables. Sérieusement, les amis. Sérieusement, ces gens-là sont des irresponsables. Vous voyez, aujourd'hui, les gens qui ont fait un travail, et vous allez demander combien d'argent ces gens-là ont mis en place pour monter ce projet-là. Et ils sont dans l'approximation. Aujourd'hui, ces gens sont approximatifs. Il faut le dire.
Pourquoi vous avez honte de dire la vérité que non, ces gens sont approximatifs? Ils sont approximatifs, puisque ce qu'ils sont en train de faire, les gens ne comprennent pas. Où sont les chômeurs? La catégorie des chômeurs. Où est côté Bakel? Bakel n'est même pas. Et maintenant, demander à la personne vulnérable, à quoi une personne parle? On est vulnérable, on va avoir l'argent. Tu es vulnérable, tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Cela signifie que même pour se soigner, c'est-à-dire pour eux, non, on ne peut pas laisser les gens qui sont dans la difficulté, bah, aider, bah, dans un pays où il n'y a même pas d'aide sociale, c'est normal. Pas mettre tout le monde commune à tout ça là pour décourager les gens. Pour qu'un bon voyage basique vers Camille Maléda Sala. T'as la bami yibi. Vous avez bami yibi. Moi, je reconnais aujourd'hui, ben que vous bami yibi, à le Congo Brazzaville. Alors, Waninga, avant, tout faut la maintenant, page à histoire, y'a Congo Labisso, on va faire une pause à publicité. C'est normal. Vous tirez la paix, ma, parce que là, vraiment, ben, mais, Ayessa m'a pris la tête. Et il n'a même pas parlé des retraités, hein. Ouais, je n'ai que signé ma papier. Vous voyez, ça prouve qu'Ayessa ne travaille pas. S'il travaille, il devait être rigoureux. Ça trouve que Ayessa n'a même pas eu le temps de lire le document-là avant de le présenter au conseil. Il n'a pas lu ça. Il n'a pas lu. Parce que ça n'a pas conseil de cabinet. Belke Bato Otokuna, conseil de cabinet. Vous préparez ça. Personne n'a soulevé. Mais les chômeurs. Wapi ligne sur les chômeurs. Botang akate. Bosalakata moussalate. Sur les chômeurs, vous dites quoi? Les étudiants. Vous pensez à ma bourse. Le chômeur qui n'a pas sa bourse. Donc, bien que tout y a de pression. Donc, ce sont les parents qui sont au chômage, qui n'ont pas l'argent, qui vont payer pour ces enfants chômeurs, étudiants. Après, ça va pour qu'ils bénéficient d'un bon Josac et à Camille. Mais vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal. Les personnes vulnérables. Ça dit qu'une étude n'a pas été faite. Ben, Nathalie, à l'Assemblée nationale, peut-être, et Godiola, il fallait avoir un projet de loi et non projet de décret. Projet de loi, ben, tout y a Kuna, dans l'Assemblée nationale, pour qu'ils va débattre, n'a y a Kuna. Au moins, les Godiola pouvaient peut-être avoir la conscience de dire que non, là, c'est pas bon. Parce que là, ce décret-là doit être amélioré. Ce décret-là est nul. Ça veut dire que monsieur Ayessa n'a pas le temps de lire. Donc, bah, dossier Nabino, il y a, pour faire valoir vos droits à la retraite, vous pouvez toujours dormir. Ça ne sera jamais signé parce qu'il vient de nous présenter un travail approximatif, un travail nul, un travail médiocre. Voilà. Les amis. Mais oui, c'est la vérité. Travail médiocre. Il n'y a pas d'autre mot. Ben, ceux qui travaillent encore bien. Quand on a le BL, bien. Alors, nous allons marquer une pause de la publicité, Baniga, parce que mon gongo est gay. Alors, la régie, s'il vous plaît, tout, page publicitaire. Alors, les amis, vous êtes toujours sur la matinale. La matinale aujourd'hui, alors, vous ça quand même le tour Bentala, épisode. Il y a Mbela, il nous proposait que Beno Vetketala tous les jours aujourd'hui. Donc, on va suivre encore une partie à Mbela aujourd'hui. Et après, on revient
Nama Wabeto, il y a scène de vue courante, la scène Abeto Mbela. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Et pour ceux qui souhaiteraient vraiment aider, bah, producteur ou bah, metteur en scène, il y a Mbim Yai. On vous demande de vous rapprocher. Ça devient quoi dans YouTube. Vous allez avoir les coordonnées Nyonso. Il y a Bantuina hein, pour que si Benzole et débat parce qu'ils en ont besoin vraiment là-bas. Alors, mettez-le en bête. Ma chérie, je pensais que M. Borikambe n'allait pas agréer ta demande. Il y a solo, hein? Il ne faut pas que tu sois ingrate. Attends, je veux lui réserver une agréable surprise à la fin du mois. Tu comptes lui offrir quoi? La moitié de mon salaire. Oh non, ce n'est pas bien de lui offrir de l'argent. Offre-lui quelque chose d'autre. Une bouteille de champagne, par exemple. Ça va. Ah, ben, parle. Donc, il y a un épisode de Mbela Benmetala ou Abaninga. Bon, moi, je suis avant que le bâtiment banane, avant que je joue mon salaté, à jouer mon salat, à le binaïe. Bon. On a offert donc au Pessayer champagne. Voilà, c'est une scène. Il faut suivre l'épisode qui est paquet kuna. Il y a que scène entre Mambouabet et Akoutume. Na les personnes, on croit connaître les gens. En fait, on connaît pas vraiment les gens. Il faut suivre l'épisode hier. Alors, merci Abeno Baniga. Nous sommes toujours là, Baniga. Donc, avant maintenant, ton quota, parce que Mambouabet Katouko, Mambouabet colère, il y a mes personnes qui colère. Non, ton bon sanité. Avant que les brèves histoires, il faut tout solo la macambriana nuevo. Il y a agriculture et mokanabisou. Je vais vous plonger dans un univers de l'agriculture. Je vais demander votre indulgence. Mouké Loutisabel va séquence sa vidéo. Il est temps à Serge Nguakamabe. J'espère qu'il est là. A Keneko tagué maintenant mon inganaye. Oba benga ka ministre de l'agriculture. Il a dit ceci que n'a que camarade à Yand. Donc a Keneko bengaye. A Yakawa. Bisoto lakisaye maintenant. Peut-être demander dans la régie. Dans l'ordre, il y a quel est, il y a l'outoubet au vidéo numéro 1, 2, 3 jusqu'à 4. Ben que fatigué, ben que t'as là maintenant agriculture, ce qu'on appelle par l'agriculture mécanisée. In betre t'as là, awa, la régie, s'il vous plaît. Voilà. Je vais vous montrer les étendues des champs. Donc vous avez vu, tout ça, ce sont des terres qui ont été cultivées. Et là, il y a d'autre côté, c'est du blé qui pousse et que au mois de juin, ça sera la récolte. Et là, on est un peu en retard avec les semis de printemps.
Donc là, on fait des semis de printemps, notamment, on est en orge brassicole, notamment la variété qui s'appelle Planète, qui sera en fait récoltée au mois de juillet. Donc là, on est en train de faire des semis. Donc vous voyez les parcelles cultivées. Et un autre semoir qui est là. Donc vous avez vu, ça c'est des parcelles cultivées. On a tellement eu d'eau ces jours-ci, donc on ne pouvait pas vraiment récolter, on pouvait pas normalement cultiver et puis rentrer dans les champs. Ça patinait. Et là, on profite de dernier temps. Là, il fait beau, on profite pour finir nos semis. Donc, vous voyez, donc là, il y a le semoir. Et là, nous avons notre pulvée qui est. On a notre pulvée qui est déjà prêt, et le pulvée va repasser après avoir être semé, donc pour traiter le sol quoi, donc pour qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Donc dès qu'on va finir, on applique le traitement, et puis demain on va, je crois qu'aujourd'hui, ce soir on finira pas, et on finira on va finir demain. Donc là, c'est pour vous montrer que personne ne vous trompe. Voilà comment ça se passe. Regardez en direct comment on sème. Donc c'est ça la mécanisation. Voilà. On est pris par le temps, mais là, je crois que d'ici ce soir, on finira pas, mais on finira demain. Regardez, ça c'est du blé. L'autre parcelle c'est du blé qui est en train de pousser. De l'autre côté, nous avons du pulvée pour le traitement du sol, pour traiter tout ce qui est mauvaises herbes, et en même temps on va semer, et derrière on va passer on va traiter le sol pour qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Donc je vous montre en même temps le silo. Ben fatigué V. Voilà. Ben fatigué V. On va vous mettre, vous devez voir. Vous avez les premiers. Là, je veux vous montrer les parcelles cultivées depuis le mois de octobre-novembre et que ça pousse. Regardez les hectares et des hectares
Donc, par là, nous avons du... Nous avons du blé qui pousse. Et par là, vous voyez, ça c'est normalement ça c'est du blé, la parcelle, les hectares de blé. Et par là, c'est les hectares de lait, lin. Donc ce dernier temps, du lin, on fait faire tout ce qui est fibre, tout ce qui est... qui est lingerie. De l'autre côté, je vous fais montrer des parcelles et des parcelles cultivées, des hectares. Ça. Regardez de vous-même. Tout ça, ce sont des parcelles cultivées. Donc, au mois de fin du mois juin-juillet, et ça sera la récolte. Regardez de vous-même. Donc de l'autre côté, on a de l'orge qui est destinée en alimentation animale. De l'autre côté, nous avons de l'orge. Destinée en alimentation animale. Là, c'est la parcelle de blé. Là, c'est la parcelle du lin. Vous avez vu des hectares, des hectares. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'agriculture moderne. Là, nous sommes devant la coopérative sur devant la coopérative agricole Natop. Bon, les amis, Baninga, Bomoni Sikoyo, Bomoni Baninga, c'est ce qu'on appelle l'agriculture moderne, la mécanisation de l'agriculture. C'est ça qu'on vient de voir. Alors, Serge Ngoa, mais pourquoi Mérimé, tu as peur de dire le docteur Ngobo est le génie attendu par certains? Par Serge Ngoa Kamabé, il faut dire, c'est son ami, hein, le génie de l'agriculture. Mayel, il y a l'école, les AEET. Et Zali, non, mais elle est moderne. Donc, elle a la Kisibino, elle a Poto, Pota, la Nenge, Zali. Et là, c'est un Congolais. Un Congolais. Ouah, ça, la Kangokuna. Yé, c'est un Congolais. Donc, c'est pour vous dire, au Congo, on pense que, voilà, Yébisibino, aujourd'hui, là, Déco, là, président, le premier ministre, je le connais. Les cadres qu'il faut mettre, je les connais. Parce que, bah, qu'est vrai, paquet. Ça dit qu'avantage à la matinale, non? Et puis, si tu te mets en contact avec des, ça dit que des vraies compétences, il y a le monde entier. Il y a Bétoba Congolais. Bah, qu'est vrai, paquet. Et parfois, on a 20, bah, putain, mais c'est pas possible. On a autant de cadres et qui traînent, qui sont même pas utilisés. Mais je peux vous dire. Donc, mon collègue, parce que ceux-là qui pensaient que non, oui, oui, oui. À ça, là, à expertise, naïe. Dans l'agriculture, il a fait quoi? Dans l'agriculture. C'est pas son domaine, et lui, il est docteur, je sais pas en quoi il a fait là, je ne sais pas, mais il n'est pas agriculteur. À la diplôme agriculture, à Salangwa. À Salah agriculture, wapi. À Kamati agriculture, à Ti, ma formule, à l'obéro, son, à Salah, à Salibwe, hein, bimine à ordinateur, à la Kissi, à quoi là, ça, Sassou. Mais Sassou, il connaît pas l'agriculture, il connaît pas l'ordinateur. À Moniango, Sassou, Nguessu était vraiment, comment on appelle? Oui, le contact, il gênait, mon cher, Rock Hallyday. J'ai son contact, mon cher. Tu as vu, les gens, là, ça, ce sont les cadres qu'on va utiliser demain, mon cher. On sait. Donc, c'est pour vous dire. Donc, dit ça, mon gouvernement, Boubiaba. Ça dit qu'il y a des gens qui sont prêts pour diriger ce pays-là. Donc, voilà. Par contre, ça, on a ça. Mais qu'est-ce qu'il comprend en informatique? Lui, il n'a pas fait ça. Sassou n'a pas fait l'informatique. Vous n'avez pas lui demander à son âge d'aller faire informatique. Il comprend pas ça. Et aller insulte, tu t'es allé. Époque, Nabango, Zarakuana, époque, Elsiko, vous n'avez pas lui apprendre c'est quoi la souris? Jacques Chirac. Jacques Chirac, à quel âge qu'il faut visiter, alors qu'on a l'impression qu'il y a qui l'école, bien centre de formation. Et après, on disait, oh, la souris, la souris, la souris, la souris. Jacques Chirac se retourne vers ses conseillers. Oh, c'est quoi la souris? À tout là! Jacques Chirac, hein?
français, président de la République. Attends, mais c'est quoi la souris? Bah, yo, là, c'est, non, la souris, Ali, et l'okoyou. Bon, voilà, souris, ni, et l'okoyou. Non, c'est pour vous dire que non, Yali, et Pokne, il n'a pas connu ça. Jacques Chirac n'avait pas connu la souris. Bah, d'accord, alors, on a qui ça. Et bon, quand c'est un journal, Jacques Chirac va venir tenir l'ordinateur. Macron, il a un ordinateur portable. Chaque fois, moi, il a un ordinateur portable, tout ça. Parce que Yali, et Pokne, il y avait un ordinateur, c'était un jeune. Mais voilà, bah, vieux, on a, donc, Denis, il ne faut pas lui demander ça. Et lorsqu'on est parti embrouiller Denis, ah bah oui, c'est bien. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Que je vous balance certains noms, mais non, on ne peut pas vous balancer certains noms. Ben, comme là, qu'il y avait quelqu'un qui avait même fini ça, ma fièvre. Non, ça aussi, je m'en fièvre, bah, aux assous, ma ministre, c'était, bah, aux assous, premier ministre. La voix, puis, à combo, le qu'on a l'île au terme. Alors, bon, moi, l'agriculture, là, ça, c'est la mécanisation de l'agriculture, ni yaï. Mécanisation de l'agriculture. Oh, bah, ou tu comme là. Donc, bon, tu kako salabiso, bah, j'ai mis kémiké, bon, salakawana. Oh, bon, salakana télé, comme moi, la bonne salabiso, agriculture. Bon, mon yango. Et là, je vous dis, n'a cause de l'or, qu'a mis n'élété. Moïno, congolais, aïko l'axabiso, hein. Oh, mais ce n'est pas suffisant. Arrête tes trucs, là, la mécanisation de l'agriculture. Quelque, tu sais comment acheter ça? Même toi, car la soie, tu peux acheter ça. Si qu'on s'en a cassé, on l'ingue, n'a pas su adresse, tu commandes. Et si tu n'as pas l'argent, je commande ça à ta place. N'a qu'on peut son cadeau. Dis-moi si tu as des étendues là-bas, je t'envoie les tracteurs. Ça coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. N'a qu'on t'y même mis balai. Aux à la grand agriculteur. Dis-moi seulement le domaine, bah, pêcheur qu'on a, n'a t'y ne l'a. Alors, arrête de me parler là, aux les tracteurs. Ben, bah, bien. Ouah, qui s'en va, mais c'est un peu non? Papa, il met ça là, il met ça là, il met ça là, il met ça là, depuis Kalao, Bobanda, quand on a entendu les Aliwap. Voilà. Ça, c'est pour ça que je vous dis. Hein? Oui, oui. Ça, c'est pour ça que je vous dis les choses. Mais voilà, quand ça a mis son petit numéro, ça l'a gâté. Il a même dit que tu as eu un wapi. Oh, Sasuki, non. Il est ingénieur agronome, il y a wapi. Quelle université, quelle école? Na IDR, qu'on appelle pas yébiété. IDR, il y a pas mal. Industrie de développement local. Et non. Et une industrie de développement rural. Il y a un quel kuna. Avec le sauce kumba, il y a un quel éveil. À ça là wapi agriculture c'est pas ouais à ça ma connaissance c'est hier encore à développer ma connaissance là hier à commis oh le génie de l'agriculture non c'est comme les gens l'Isouba était un azaganani et était un biologiste non et après à ça là capé bilanco il y a ma croisement il y a ma plante tout ça là ailleurs est-ce que l'Isouba c'est un agriculteur c'est pas bon quoi qu'on appelle ça même ministère à l'agriculture mais c'est pour vous dire tout simplement que non aujourd'hui il y a des cadres qui existent Bantuzab mais de ce jeune cadre, il en avait marre. N'a même pas vanné la crise qu'on est j'en ai marre. Je vais vous montrer ce que je fais. Maintenant, ce qu'il fait, il y a un dernier salaire. Là où il est là-bas, là, ce n'est pas, vous allez croire que non, à Wuchisoku Wapi, à Keikuna, et pas à Salakana, la crise, à est-ce que tu sais ce que c'est un silo? Serge Wakamabe, est-ce que tu sais ce qu'on appelle par un silo? Silo. Ngezabe a niki silo. Est-ce un Ngezabe silo neiki? Niki. Silo, c'est quoi? Ouvre l'ordinateur, au pire, on a réponse. Bon, voici. Il a même les termes, la sémence, la nini, les sémis, les quoi. Oh, mon cher. Ngenge, tu as déjà ta place dans le gouvernement. Ça, on sait déjà. Bon, Baninga, oh, tu aussi ici maintenant, agriculture. Tu aussi ici, ma agriculture, mettre dans ce coin-là, la brin d'histoire. Le brin d'histoire aujourd'hui va nous amener, mettre coin là, va discours, il y a président de la République, avec Tama, ceux qui ont marqué l'histoire du Congo. Il y a les pères fondateurs, il y a Beto. On a l'impression que non, le pays a été toujours dirigé par Denis Sassou Nguesso et qu'on n'avait jamais connu l'industrialisation au Congo-Brazzaville. Voilà. Alors, je vous demande maintenant la région Toulabétou. On va prendre la première vidéo. Attendez. Je vais vous prendre la première vidéo. Il y a Ibn Ketala, il y a président. Et voilà, il y a Ouyaï. Il y a Awa Ben Tala. Il y a ma Samba Deba. Il y a ma Yulu. Il y a la régie, s'il vous plaît. Il y a la brin d'histoire. Et d'entendre l'interview que notre camarade Bergès a fait de lui quelques jours après sa fuite. Quels sont vos projets politiques, monsieur l'abbé, depuis votre séjour à Léopoldville et surtout depuis cette condamnation à mort qui peut changer vos projets? C'est exact. En arrivant à Léopoldville, j'avais voulu ne plus faire de la politique. Mais je viens d'être condamné à mort. Sans raison et sans motif. Alors, je vais prouver à mes adversaires que je ne suis pas mort et que je ne mourrai pas, que je ferai de la politique et que je vais gagner, je vaincrai. Décoloniser économiquement un pays est le plus difficile.
M. Massemba Déba, président du Congo-Brazzaville, le reconnaît franchement. Congo. C'est un pays qui... est encore, si vous voulez, une colonie, dans la mesure où l'on sait que tout ce qu'il y a comme structure économique appartiennent aux, non pas aux Congolais, mais aux expatriés, qu'ils soient des Français, des Américains, des Belges, des Portugais, etc. Mais enfin, est-il que ce ne sont pas des Congolais. Et lorsque vous êtes à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans n'importe quelle ville du Congo, ce n'est pas une usine congolaise. Sans doute, elle portera le nom d'une usine congolaise, mais il n'y a aucun capital congolais dedans. Sans doute qu'on l'appellera société congolaise de ceci ou de cela, mais il n'y a même pas un franc congolais dedans, ou tout au moins un franc qui appartienne aux Congolais dedans. Et ce qui fait que le peuple congolais est en dehors, si vous voulez, du circuit commercial. Si en France, tout ce qu'il y a comme magasin, comme usine, comme société, appartiennent soit à des Anglais, à des gens extérieurs, et que le peuple français n'est pas absolument du tout quoi que ce soit sur ces circuits économiques, quelle serait à peu près la réaction du peuple français? Si réellement les Congolais avaient des capitaux, nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander. Alors, les amis, le père de l'industrialisation du Congo, Kumbayandi, est connu. Aujourd'hui, mort, il est parti. On ne sait même pas, il ne sait pas s'il est mort. Parce que Coral Maître Talavé, peut-être en Zimbana, peut-être en Banane Nicaragua, peut-être que Josar avait ta Pamba. On ne sait même pas. Bayini Bakayand va enlever Kayand jusqu'au jour, nous ont jamais donné la réponse. Qu'est-ce qu'ils ont fait même de ce corps-là, soit au foyer, si Boubi avait Zabi, Toyébité. Mais c'est le père de l'industrialisation du Congo. Bon, mon discours à Salaka devant ma mindele va poser une question. Au cas qu'un n'est de quoi l'obaka oua. Alors, comment se fait-il que l'économie en boca la bisounion surtout va pécher à moi dans ma boca et va étranger? Donc, ce problème-là s'est posé à l'époque. Et Massamba Déba avait apporté la réponse. La nationalisation, yaba, usinion surtout, et zala cannabis ou wana. Massamba Déba a créé, ba, industrie partout. Asala mosala na Congo na biso, partout, ba, usine et belé, bebo. Okenda tina betu dans la liquala. Usine va refabriquer, ba, allumette, tige d'allumette, ba, allumette. Mon collalele, on n'a plus rien, on a le bois, même kaka tige d'allumette. Oya mana phosphore, na likolo, ba, liboso, na tchaka. Ata akim ve, tige d'allumette. Aiguille à pamba kaka moi et non moi ferai mon gamo kebwe yike leve attaque me ve quand on putu angolo ngolo ba ke zonza ka beto oh l'orthodoxie financière oh pilier ba ke zamsa beto attaque me ve dans les faits. Et voyez Massamba Déba, lui en son temps, il est parti la poser la question au journaliste Bino par exemple. Ah on a poto à tout ni bango quand dengue de quoi poser que wana. Ah mais vraiment, il y a des signes qui ne trompent pas, les amis. C'est-à-dire, à poser bango question, à nomina bango, bon, bino awa, ceux qui va société la bino, par usine la bino, bino gagnons surtout, le circuit économique est tenu par les étrangers. Quelle serait la réaction du peuple français? À poser bango question, on a. Donc, c'est de la même manière que Beto Yaiba Congolais, on se pose la question. Le circuit économique au Congo appartient aux étrangers jusqu'aujourd'hui. Attaqué, mais moi, c'est Beba Congolais. Pas capital Beto Kaleve. Mais même les voleurs, là, lorsqu'ils volent l'argent, bah, Pessi Yavango et pas un étranger, voilà, et pas un étranger. Bah, le bagatet, il y allait à Bango parce que la banque à Kabayébi qui est pas un bazou à Mbongwana, il y allait à Sukumo, il y allait au Kuta, bah, Yibi n'a pas Yiba. Parce que ce que c'est que Mbongwana, là, vous allez assumer. Mais comme il y a là, Moyibi, d'où il faut que Kone Makoso crée Beto un milliardaire,
d'un milliardaire, ils vont s'assumer, on sait. On lui avait donné 10 milliards. Après ça, qui est facilité, à jouer 10 milliards. Là, ça, les moments qu'on a, on va venir à Nigeria, on va s'arrêter à créer un milliardaire. Pas qu'il y a qu'une banque, pas payer ses facilités à crédit, pas payer. Mais l'argent qui dort dans vos maisons, vous allez en faire quoi? Et dans les banques, là-bas, ça, là, on dit, bon, moi, on a banque, il faut pas vendre à la banque. Moi, il faut être en là. Et travailler, nous, on a banque. Bon, moi, la cap, sur vos salions, dès qu'on soit milliardaire, il va nous narguer, il va ravir. Vous voyez dans leur tête, là. C'est ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont comme ça. Dès qu'ils ont l'argent, le pouvoir, ils ont le pouvoir, ils pensent à ravir les femmes de trouille. C'est ça leur problème. Pas botte la basse en Ghana, pas comme ça la mouvouzou, pas comme ma balle en Ghana. Bango anani et bango, la idée d'avoir la moto. Donc, d'un la basse là, bah y bambango, baton bandako, basala yeye moko, azala même la 15 femmes, même il va pas assumer, a kenege kunate, même kaka une fois la na mona kaye, mais kaka na moto na yeye batino, moi si okuna, a moi si nanga moto moussous a kenege kunate, na moto na yeye, c'est ce qu'il croit même. Voilà, a sa ne on a moto na yeye, a réfléchir de wana. Donc, à l'ingite, l'élo, sera kamati ango, apesse ango la Christian Souza, Christian Souza devient milliardaire, lui aussi va faire ça. Donc il y a Zolingate, Christian Souza P, Azalana Basimingi, Anageye, Alo ta costume, Azalana voiture acclimatisée, à ton ganda quoi étage. Kaka moté mamabe, ni yango motezo bloqué ke, ozonga la barwa ko kre ba milliardaire ti. Parce que nan mouna te poan ni ba lingate, ko kre ba milliardaire. Ba lingi ba zaka ba gomoko. Mais ba nama yelete ya kousa la bilok. Ils sont pas assez intelligents pour faire des choses. Bo tiens ba to bazali, si vous prenez 10, 20 milliardaires, bo kre ba go. Parmi les 10 milliardaires là, il y aura pas un seul quand même, les Congolais ne sont pas tous idiots quand même. Donc parmi les 20 milliardaires là, il y aura pas un qui aura le sens de la République. Le sens du devoir. Après, vous savez, l'autre côté, pourquoi c'est payé ça? Tu vois, c'est quand même parce que jusque je tourne la capace. Mais l'autre, on est surtout au personnel à l'étranger. Le vendredi, demain, là, demain, à 13h, va kangi ma boutique, là, bango. Pour qu'elle n'a pas de poteau, il n'y a plus rien. Pour qu'elle est même dans les grandes avenues, là, bangungali, va kangi, va on est surtout pour aller. Parce que les musulmans doivent aller à la prière. Donc, va kangi, économie et kangami. On dépend de Nabango. Ok, la pointe noire. Les grosses firmes qui sont là-bas, là, c'est tenu par les étrangers. Et comme il va indien. Pas Kochikuna, pas Chinois, pas Kochikuna, pas Motu, pas Libanais, pas Kouapota, pas Libanais, même pas place, pas Indien là-bas. Vous voulez maintenant quoi? Pas Congolais, la Zaliwa, la Kachouane, le Liban est un pays en faillite. C'est-à-dire, le Liban est un pays en faillite. Ce qu'on a dit, même à 1 million de francs, c'est fort que le Liban, qu'on a dit, vraiment, voir ma. Bon, Bangoma, c'est un pays pauvre. Ils sont en faillite. Bangoma, Zalandé, il y a des milliardaires chez nous. Bon, de Valangai, maintenant, bah, on va la milliardaire, il n'est pas la mission d'Engeni. Il vient d'un pays pauvre. Attends, qui me fait? Bon, pas même cuisiner la capitale, ou à côté de mes katouka. Y'a qu'à bon, ma bête, on va pas ils sont devenus, ils viennent. Bah, ouest africain, monsieur, bah, y'a qu'à couper. Quelques jours, bah, mon yéné, là, il coupé, alors, bah, ma pantalon, tu vas au kata, comme toi, qu'à la passe. Bah, passe la mission, bah, il est noté, il a un balade de bicala. Bah, pantalon, il dit, il est en Luanda, qu'on sait pas souka. Mettre Zengia, et comme au Mugondo, et toi, là, t'as ma Mugondo, au moins la pauvreté donne l'imagination, on peut pas imaginer. Tu vois qu'on a ta Mugondo, qui est ce qu'on a là, t'as Mugondo, voilà, madame. Mugondo, tout le monde a porté le Mugondo, nous, on a porté le Mugondo, ah, ben, au Mugondo, on a porté ça, mais Yanni, la galère, la crise, et l'autre côté, tu comment qu'à Mugondo, on prenait le, mettait le Mugondo là, c'est comme ça. Donc, les Ouest Africains sont venus avec le Mugondo chez nous au pays. Ils sont arrivés là-bas quelques années, quelques mois après, bah, comme Bango, bah, comme maintenant qu'on employait les Congolais. Arrivé, venu avec zéro franc. Bah, comme Bango, bah, millionnaire, bah, milliardaire. Ils commencent maintenant à nous écraser. Vous trouvez ça normal? Économie, vous pensez, on aborde. Là, ma Samadeba, le Bango. C'est ma Samadeba qui vient de le dire. Au moins, l'air à Monac Nego, à Zonga, le Bango. Il n'y a pas que lui, ma Samadeba. Youlou. Il arrive ici pour la première fois en France. Aïko Kouta, Waya, qui n'a arrivé à ma Lili. L'air à mon angoya le bi. Ah! Oh, ma ligne obéanine a posé question. Il y avait, on avait aussi un autre homme d'affaires, on appelait OCT Jonas. Si vous ne connaissez pas l'histoire, anecdote en Wesali. Bon, et Karl Assoy, il connaît bien cette histoire parce que c'est son parent. OCT Jonas. Ah, OCT Jonas a commis à Wabwe. Ah, yo qui m'a dit, il a demandé. Ah, ok, climatiseur. Climatiseur, il faut en assommer, on en attend, on a con. Bon, voilà. Ce sont des gens comme ça, ils viennent, ils copient. Bah, moni, à lobby. Ma ligne, il y a hiver. À moni, il y a OCT Jonas. Bon, c'était des gens qui n'avaient pas. Et une instruction aussi développée, mais il y a le ah, climatiseur, il y a vraiment nez, les gars, ils font la somme, on en est à mon Congo, etc. Mais c'est comme ça. Mais ça m'a dit, bah, mon industrialisation, lui, non, ah, on va venir à ça, la cabri. L'ambo qui a créé, a demandé à ça, maintenant, à créer ma industrie, après ça, on a pas congolais, bah, au Finacom, bah, ONPT, bah, ni, il y avait tout là-bas, il y avait tout. Il y avait la société, bah, Kinfundi, bah, usine à Kaye, bah, usine à Nyon, surtout, on a aussi, bah, allumette, biloko ming. Massamadeba a fait, Bosaka, mon aura pas, Sassou Nguesso a fait quoi? Quelle est l'usine de Sassou Nguesso?
Mais l'usine n'a pas ta papier pour mettre M. Azate. À ce qu'on reconnaît, M. Denis Sassou Nguesso, c'est le bon bœuf. Le bon bœuf, oh, mais c'est pas possible. Je n'ai pas la vidéo là avec vous là. Hein? Je vais lui demander la régie. La régie est à Betokuna. Mettre la vidéo, il y a le bon bœuf. On a la vidéo du bon bœuf là. Hein? La régie est à Betokuna. Vidéo, il y a bon bœuf que Kuna. Il y a la vidéo du bon bœuf. Mettre la vidéo à bon bœuf Kuna. Si la régie n'est pas tout le bête au vidéo à bon bœuf, vous avez. Nanifissa mon vidéo à bon bœuf. Continue la gamme. Il y a les hommes et les femmes de l'homme. Moka Tindanga, ils visitent. Je crois bien, c'est pas comment on l'appelle. Voilà. Oui, oui, bien préparé, bête. Il y a le bon bœuf. Ce qu'on reconnaît chez M. Denis Sassou Nguesso, c'est le bon bœuf. Finalement, ça le bête. Attends, usine, même usine de papier. Pas usine, les années à Kanga, Bonyon surtout. Et Kangami, Ike, les V. Et l'homme, les alités. Tata, ça dit que Denis. Lorsque tu parles en disant ceci que non, bon voilà, on a construit 32 kilomètres, on est au Yakaki, les indépendances, il y avait seulement ça. Mais c'est heureusement, heureusement que le président de la République, tu es là 40 ans, 40 ans, au quand même, parce que bon, budget à l'État, il y a un temps au Girango, on a un sani qui a un budget, on a un sani qui a un budget, on a un sani. Soit on a qui va pas infrastructure. Soit on yoki même banzé, donc tout au tongi kuna, on yoka ba chinois, il y a fonds propres, il y a quel évé. Tout ce qu'on reconnaît, nous, chez Denis Sassou Nguesso, mon collègue, et ils allient le bon bœuf. Voilà, ni usine à Denis Sassou Nguesso, usine Denis Sassou Nguesso à Kéo Krogo, le bon bœuf. Fongue la crise Benyawa. Peut-être demander à la région, la crise Beto, la plus grosse, comment on appelle ça, réalisation du président de la République, c'est le bon bœuf. La régie, tout le bête à la Congolais, le bon bœuf. La régie, s'il vous plaît. Honoré Paka, préfet à Kuiluya Ndiaye, accompagné de Madame Evelyne Tchichele. Mais qu'on nous fasse quand même défiler la vidéo. Moureta loi faut soigner loi ta coiffure, mais tout naïf, tout coulait talia quand même. Mouta tête Madame Tchichele, à moi perruque y a y. Ah, est-ce qu'il y a qui était? Il y était. Ou appuyé. On a qui Tchichele, parce que Tchichele, la coiffure naïnga naïe bien, tout à la nanié. Y a qui veut Tchichele, parce que la coiffure à Tchichele. Y a Ndiaye. Oh, mais Tchichele là? Oh! Tchichele là, Mouzabi Yande, oh. Mouzaba Peruka Yande. Mouzaba Peruka Yande, parce que Mouke Kouenda dans le Château Rouge, oh. Mais la comtesse, parfois, me traîne là dans les boutiques, là, aller chercher des perruques, tout ça là. Donc, on a lié ma perruque. Non, on a lié ma perruque. Non, moi, on a ma perruque. Donc, on a mon perruque, on a mis, oh, le perruque, il y a maman Tchichele. Yande là, Yande, t'as les Yande. Donc, au préfet, Honoré Mpaka, l'éternel préfet. Vous n'avez même pas honte. Regardez le préfet Vili, Naniake Vili, bah, non, c'est pas la zone. On a ta son niveau, quoi. Hein? Et Wapia, ça c'est l'unité nationale, yai. Hein? Voyez, le tribalisme, yai. Yakakani, yaou, yai. Bon, voilà. Honoré Mpaka Vili, Tchichele, aussi Mouvili, Baouzo, le yai. Honoré Mpaka, yai le préfet. Et puis, madame, la maire, bah, de quoi elle est inaugurée. Inaugurée. Boucherie à Bambeuf. Boucherie à Bambeuf. Ça, c'est la plus grosse réalisation, la meilleure réalisation du président de la République. Ça se résume à ça, à ça. Yani, unité de production. Ça emploie au moins 4500 personnes. Et vous voyez le monsieur là, je ne sais même pas comment il est, Nani Mouza, comment il est, vous voyez là, le bon bœuf, ça coûte le kilo 4000, il a même pas honte, de dire 4000 francs. Ailleurs, ça coûte, je sais pas si c'est 6000 et c'est pas de bonne qualité.
il est content de présenter 4 000. 4 000 le kilo. Il y en a un autre, vrai qu'il est anglais, un à Zozaya, 4 000. Un à Zababé, 4 000, ce n'est pas la portée des Congolais. Mais lui, il est content de dire ça. Ici, c'est 4 000 francs, ailleurs, c'est 6 000 et c'est pas de bonne qualité. Yaba, bon, c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est l'une des meilleures réalisations. Et à présent, dans la République, c'est le bon bœuf. Il n'y a que ça. Quand il y a, il y a le Messala. Il m'a mouna Zabsabène. Hein? Il y a également mouna Zabsabène. Ah, papa, vous avez si bien, vous savez. La République qui n'a pas si la bête que tu as là, puis il y a dans l'air, le rabbin, le macabre, quand ça t'est l'être, le bagaton, non, les décos là, au déco, ils n'aiment pas le pays, ils n'aiment pas le pays. Mais regarde, je le bois là, moi, Faso. T'as Faso, même Nigeria qui boit là. Mais Natala qui a ben moi, sinon, lorsqu'on vous dit, les pères fondateurs existent, hein, vont inaugurer une boucherie de la viande venue d'Oyou. Oh, quelle idée, arrête, tu vas créer des problèmes. Même Maramoun, moi, je ne veux pas, moi, j'ai des amis finis là. Hein, je vous signale que le promoteur de la chair là s'appelle Makosa que mon ville. Je ne veux pas les problèmes avec des villes. Parce que les villes, après, ils vont m'appeler là toute la journée. Non, les villes, moi, je vous aime. Alors, les amis, la matinale du lundi au vendredi, 7h de Paris, 7h de Brazzaville, 7h de Pointe-Noire, là où on est parti inaugurer la boucherie. Bon, il n'y a que vrai sourd, quoi. Mais sinon, il y a des choses vraiment, moi, je ne sais pas quoi. Oh! Donc, après, qu'on a inauguré, robinet, après, inauguré, boucherie. Donc, le préfet n'a rien à faire, la maire n'a rien à faire, il n'y a rien à faire, quoi. Mais t'as là, du coup, il y a les priorités à bas. Et pour aller présenter le kilo à 4 000. Il n'y a que dans Zozak. Ah, papa. Bon, écoutez, la matinale, c'est du lundi au vendredi, 7h de Paris, 7h, heure de Pointe-Noire, les amis. On se retrouve demain dans les nouvelles aventures de la matinée. Les amis, n'ayez pas peur, que Dieu bénisse le Congo. Allez, ciao, générique. Cette semaine, on m'envoie des messages pour vous dire, ah, on a volé chez toi 22 milliards. OK. Mais Yves Gassoni, c'est moi, hein, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis, les gens me disent, mais il faut répondre. Je dis, mais je vais répondre pour dire quoi? Un fou se lève quelque part, il balance une histoire. Et moi, je vais répondre à ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'un vol à main armée a été commis en juin 2021, donc pas chez le pasteur Castanou, non, mais dans une extension de l'église Impact Centre Chrétien au Congo, à Brazzaville en particulier, dans le quartier OCH. Un braquage à main armée en plein jour a été commis. Et ils ont volé quoi exactement? Ils ont volé la somme de 150 millions de francs CFA, pas 900, 150 millions de francs CFA et environ 150 000 euros.